Là, c'est ouvert. Là. À toutes et à tous, et bienvenue à ce premier forum territorial Vallée de la Marne en format complètement dématérialisé. Alors, je me présente, je suis Nicolas Domange, je suis adjoint au directeur territorial de la délégation Vallée de Marne, et je suis particulièrement heureux et fier de jouer pour vous le monsieur loyal de ce moment. Alors, une petite anecdote, j'ai préféré appeler ça monsieur loyal plutôt que en termes de mission positive liée au cirque plutôt que. Le titre officiel pour les pros de la com qui est de passe-plat. Mais effectivement, je joue aussi le rôle de passe-plat. Voilà, j'espère que vous allez passer un agréable moment avec nous. Et alors, même si on est accompagné aujourd'hui par des professionnels, j'espère que vous serez compréhensifs parce qu'on essaye pas mal de choses aujourd'hui et on sera peut-être face à quelques petites mésaventures possibles lors d'un direct. Voilà, je vais commencer d'abord par accueillir Monsieur Lombard, directeur industriel de Crystal Union et membre du comité de bassin et de l'agence de l'eau Seine-Normandie, président du comité de la Comitaire Vallée de Marne et qui va ouvrir officiellement ce forum. Monsieur Lombard. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du comité de bassin Seine-Normandie et de son président, donc M. Sauvadet, et donc en mon nom en tant que président de la commission territoriale Vallée de Marne, donc j'ai le plaisir de vous accueillir à ce forum de l'eau
des vallées de la Marne. Plus particulièrement, j'accueille M. le préfet Engan, préfet de la Marne, M. Détraigne en tant que sénateur aussi de la Marne, et Mme Gaillot, conseillère régionale de la région Grand Est. L'objectif de ces forums qui se déroulent au sein de chaque direction territoriale de l'agence Seine-Normandie, c'est bien sûr d'échanger, c'est des moments d'échange, de vous redescendre un certain nombre d'informations, du travail qui est fait au niveau de l'agence, et puis bien sûr, à travers ces échanges, de recueillir vos remarques, vos propositions, pour bien sûr enrichir le débat que nous avons régulièrement au sein du comité de bassin et plus particulièrement aussi au niveau de l'agence Seine-Normandie. Alors, cette année, vous le savez, nous sommes confrontés à une des difficultés majeures en termes sanitaires qui a rendu difficile le travail et qui a aussi, bien sûr, bloqué un certain nombre de développements, de travaux. Et dans le cadre de ces difficultés, l'agence s'est focalisée, bien sûr, sur l'instigation du gouvernement pour apporter sa contribution au redémarrage de la partie économique. Et donc, un certain nombre d'actions ont été menées au sein des commissions, en particulier la commission des programmes, la C3P, pour mettre en place des actions qui permettent de relancer, les différentes thématiques que nous avons au niveau de l'agence de l'eau, pour bien sûr que l'objectif d'améliorer la qualité de l'eau, qui est notre objectif à tous, je pense, j'en suis même sûr, et bien sûr puisse être poursuivi et même développé. Et enfin, comme toujours, je dirais qu'il faut aussi penser, et là on l'a vu aussi à travers cette période difficile, les moyens modernes de communication ont beaucoup évolué, les technologies évoluent. Et aussi, un des points importants qu'on veut aussi mettre en œuvre au niveau de l'agence, et bien le comité aussi, Seine-Normandie, c'est bien sûr, le comité de bassin, c'est de tout ce qui est développer l'innovation, et c'est un des thèmes aussi qui sera développé dans la journée. Voilà, donc je souhaite encore à tous une agréable matinée et bien sûr, n'hésitez pas à échanger, c'est le but de cette réunion, de ce forum. Merci à tous d'avance. Merci beaucoup, Monsieur Lombard. Maintenant, j'invite Daniel Bédélem, directeur territorial Vallée de Marne de l'agence de l'eau Seine-Normandie, à venir nous faire un mot d'introduction. Monsieur le Préfet, Monsieur le Sénateur, Madame la Vice-Présidente du Conseil Régional, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cette nouvelle version des forums de l'eau des Vallées de Marne. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Agence de l'eau et au nom de la Directrice Générale de l'Agence, Madame Blanc, qui ne peut pas ouvrir cette séquence de travail aujourd'hui, mais qui nous fera le plaisir d'être avec nous pour le mot de clôture de cette journée. Et donc, comme vient de vous le dire M. Lombard, nous sommes actuellement en train de développer le plan de relance dans un format qui est un peu compliqué à mettre en place. Ce forum se déroule dans un format tout à fait original. Je souhaitais remercier également toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette journée de travail, ces témoignages. Nous avons essayé de diversifier les panoramas, diversifier les retours d'expérience pour que vous puissiez vous enrichir des expériences qui ont déjà pu être conduites cette année au titre du plan de relance dans une forme qui est un peu originale, mais je pense que vous allez l'apprécier. Alors, le thème central aujourd'hui, c'est le plan de relance de l'agence de l'eau. Alors, beaucoup d'entre vous sont attentifs, souhaite développer des projets. Parfois, vous avez eu quelques difficultés à suivre le déroulement, les décisions qui ont pu être prises par l'agence tout au fil de l'année pour accompagner cette année compliquée. Des mesures d'urgence, un plan de reprise, aujourd'hui un plan de relance. Je pense que vous avez peut-être besoin, d'ailleurs, comme parfois les agents de l'agence, besoin d'avoir des informations plus complètes pour pouvoir développer vos projets. En tout cas, c'est l'objectif que l'on s'est fixé aujourd'hui, c'est de vous apporter ces informations pour que vous puissiez mesurer tous les outils qui sont mis à la disposition des collectivités, des associations, des partenaires, des maîtres d'ouvrage
pour mettre en place au mieux ce plan de relance et surtout pour dynamiser les projets sur notre territoire. Projets qui sont nombreux et je sais que beaucoup d'entre vous en ont beaucoup et ce sera l'occasion, au travers d'un accompagnement financier vraiment nouveau et atypique, va vous permettre de développer des projets novateurs, de faire avancer des projets que vous aviez peut-être dans l'idée de développer dans les années qui viennent, et en tout cas de dynamiser l'économie locale au travers de la politique de l'Agence de l'eau. Donc je vous remercie en tout cas d'être nombreux, puisque vous êtes aujourd'hui plus de 80 à vous être inscrits à cette forme dématérialisée de forum. Et je vais maintenant laisser la parole à monsieur le préfet de la Marne, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous, monsieur Nguyen, pour vous faire le mot d'introduction. C'est à vous, monsieur le préfet. Merci à vous, monsieur le sénateur, madame la vice-présidente, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Donc, je suis très heureux de participer ce matin avec vous à cette visioconférence et d'ouvrir ce forum de l'eau des vallées de Marne organisé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, vous allez participer à une matinée riche qui permettra, je l'espère, de présenter le plan de reprise mis en place par l'agence en juin, en complément des mesures d'urgence qu'elle a prises pour aider les acteurs de l'eau à faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Ce plan de reprise a pour but de soutenir les investissements prioritaires en matière de préservation de l'eau et des milieux aquatiques. Il vise à accélérer la mise en œuvre des projets s'inscrivant dans les objectifs des Assises nationales de l'eau. Comme vous le savez, dans ce plan de reprise, s'inscrit un budget de l'ordre de 68 millions d'euros alloué à l'agence par le gouvernement au titre du plan de relance, France Relance. Et pour rappel, le plan de relance a vocation à encourager l'investissement pour retrouver une économie saine tout en protégeant l'environnement. Ce plan se veut au plus proche des territoires et sera mis en place, je l'espère, par les territoires. La territorialisation du plan de relance est sans aucun doute un gage d'efficacité, d'adaptabilité et dépendra d'abord d'une bonne communication territoriale et d'une mobilisation des collectivités locales et de tous les acteurs qui sont autour de la table. Aujourd'hui, j'insiste sur cette nécessité de faire émerger et de lancer rapidement des projets structurants sur nos territoires qui pourraient être mis en œuvre très rapidement. L'intérêt du plan de relance, en tous les cas la feuille de route du plan de relance, prévoit normalement que les premiers arrivés soient les mieux servis. Donc, plus vite on se mobilise et mieux c'est. Y compris pour pouvoir émarger à ce plan de relance. L'objectif du plan de reprise de l'agence est de créer un véritable tremplin grâce à la mise en place de financements supplémentaires pour la réalisation d'études ou pour investir dans des équipements. Ces investissements vont accélérer, on ne peut pas en douter, la dynamique déjà engagée sur les territoires en matière de mise aux normes des stations de traitement des eaux usées, de développement de l'agroécologie ou encore de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Ce tremplin passe également par l'innovation au service de la qualité de l'eau, notamment dans le domaine agricole. J'en profite pour remercier l'Agence de l'eau Seine-Normandie, déjà pour l'organisation de ce forum, qui permettra par vos témoignages d'identifier les facteurs de succès de reprise de l'économie dans le bassin Vallée du Marne. Je tiens aussi à saluer, je dirais, en particulier la vice-présidente, Madame Gaillot, du Conseil régional Grand Est, en charge de l'agriculture, qui interviendra ce matin. Enfin, je souhaite, pour conclure, préciser qu'une antenne France Relance a été mise en place au niveau de chaque préfecture et donc au sein de la préfecture de la Marne pour mobiliser les acteurs à mettre à profit ce plan de relance gouvernemental au profit de notre économie locale. Les différents services de l'État
bien entendu, au premier rang desquels, pour cet enjeu, notre direction des départementales des territoires, pourront être mobilisés à cette occasion. Et bien entendu, je reste très intéressé par les conclusions de vos travaux. Alors, j'assisterai au début à la première table ronde, puisque je pense qu'il pourrait y avoir une ou deux interpellations, mais je vous prie déjà de m'excuser de ne pas pouvoir participer à toute, je dirais, la journée de travail, la matinée de travail. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Je vais rapidement vous rappeler comment s'organise le déroulé du forum. On a prévu deux temps. Un temps concernant l'Agence de l'eau aux côtés des acteurs du territoire pour le plan de relance de l'économie. Et un deuxième temps concernant l'innovation au cœur de la politique de l'eau. Donc chaque temps démarrera par des présentations un peu globales, un peu plus théoriques peut-être. Puis on basculera sur des exemples un peu plus précis. Suivant avec des témoignages concrets, de vive voix ou filmés, pour terminer par des tables rondes un peu plus dynamiques, où il s'agira d'essayer de répondre au maximum de questions que vous poserez via le chat. Le chat qui est disponible à votre droite sur la page de diffusion YouTube, et sur lequel vous pouvez poser des questions effectivement au fil de l'eau, et auxquelles donc, nous essaierons de répondre éventuellement de vive voix lors des tables rondes. Voilà, j'essaierai d'être le porte-parole, si ce n'est le porte-plat, de ces questions-là lors de ces tables rondes. Donc on va commencer par le premier temps sur le sujet de l'Agence de l'eau aux côtés des acteurs du territoire pour le plan de relance de l'économie. Donc j'invite Daniel à nous présenter les mesures spécifiques de l'Agence de l'eau pour relancer l'économie, donc concernant les mesures d'urgence, le plan de reprise, les plans de relance, les nouvelles et puis les autres financements éventuellement possibles et la concordance avec ces financements-là. Merci Daniel. Oui, merci Nicolas pour cette introduction. Merci Monsieur le Préfet d'avoir parfaitement introduit cette journée de travail, les objectifs que nous poursuivons pour dynamiser l'économie territoriale au travers des mesures qui ont été adoptées par le comité de bassin et qui ont fait l'objet de nombreux travaux cette année, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, puisqu'en fait, tout au long du développement de l'épidémie, toute une série de décisions ont été prises. Et il nous semblait important aujourd'hui de bien pouvoir vous remettre en lumière ces différentes décisions pour que vous puissiez les apprécier ou en tout cas les utiliser au mieux dans vos besoins et dans la conduite de vos missions. Alors il y a déjà une première décision qui a été prise en mai 2020 que l'on a appelée les mesures d'urgence qui visaient à solutionner un certain nombre de difficultés qui ont émergé pendant la phase de confinement. Elles ont ensuite été suivi par une nouvelle délibération du conseil d'administration du comité de bassin en juin de cette année pour adopter le plan de reprise dont parlait monsieur le préfet il y a quelques instants. Et ces travaux se sont poursuivis en novembre puisque un nouveau confinement, la poursuite de l'épidémie a nécessité de mettre en place et de développer de nouveaux projets, de prolonger un certain nombre d'opérations et d'actions précédentes qui ont été adoptées en novembre dernier, tout récemment, adoptées par le comité de bassin il y a quelques jours seulement pour consolider en tout cas les outils qui ont été mis en place et surtout les mettre en perspective avec le plan de relance mis en place par le gouvernement. Mais tout ceci n'est pas terminé puisque c'est un des sujets de la journée d'aujourd'hui, c'est de développer des projets qui sont adossés à ce plan de relance au travers de l'innovation, d'où le deuxième sujet de cette matinée qui va tourner autour des appels à projets innovation, dont un d'entre eux a déjà été diffusé et actuellement ouvert aux candidatures et qu'il sera suivi de deux nouveaux appels à projets au printemps prochain, un sur la transition agricole et un autre sur les milieux résilients. Donc vous voyez que le travail du comité de bassin qui a été très lourd cette année n'est pas encore tout à fait achevé. Et 3 millions pour le bassin au titre de la biodiversité.
fait compléter d'autres interventions sur ce thème financées directement par l'État ou par l'Office français de la biodiversité. Alors ces 65 millions viennent s'ajouter en fait aux décisions qui ont déjà été prises par le comité de bassin il y a quelques mois maintenant, qui avait affecté déjà une première enveloppe de 140 millions d'euros spécifiquement sur le bassin Seine-Normandie pour accompagner les porteurs de projets, les collectivités et les industriels. Donc un dispositif très complet avec des moyens assez exceptionnels pour développer des projets que l'on souhaite les plus novateurs possibles et surtout les plus efficaces pour améliorer la qualité de l'eau. Alors le comité de bassin a statué il y a quelques jours pour permettre de poursuivre les efforts qui ont été entrepris avec une décision de prolonger les mesures d'urgence qui ont été adoptées au printemps, d'ouvrir certaines dispositions du 11e programme à des projets qui ne pouvaient pas être aidés jusqu'à maintenant, et notamment la mise en conformité des stations d'épuration qui n'étaient pas conformes aux directives aux résiduaires urbaines, et de poursuivre en tout cas des dispositifs de soutien et d'accompagner certains dispositifs de soutien et de suivi du suivi de l'épidémie dans les eaux usées, puisque je pense que vous avez suivi l'actualité. Un des paramètres aujourd'hui utilisés pour suivre le développement de l'épidémie, en tout cas un des indicateurs possibles, est le suivi des résidus d'ARN qui se trouvent dans les eaux usées, qui permettent en fait de suivre l'impact et en tout cas l'importance de la contamination sur des collectivités urbaines. Et donc ce point a été ouvert et va être prochainement, d'ailleurs on en parlera ce matin, est ouvert actuellement au travers d'un dispositif national qui va être renforcé sur notre territoire. Alors, parmi les différentes mesures, puisque là, on va rentrer au cœur des besoins, de vos besoins quotidiens, la première mesure qui a été prise au printemps, c'est l'aide à l'hygiénisation des boues, qui était en fait le corollaire d'une décision du gouvernement de suspendre l'épandage des boues non hygiénisées et leur revalorisation, leur recyclage agricole par mesure de précaution. Et donc, les collectivités qui n'étaient pas dotées de dispositifs d'hygiénisation des boues est évidemment en difficulté pour éliminer ces déchets. Et donc, une aide spéciale a été adoptée et fixée à 80% pour ces aides à l'hygiénisation des boues. Alors, ça peut être des mesures sur place, des mesures de déshydratation, de transport vers un site plus adapté, du chaulage, du compostage. Donc, tous ces outils qui ont été mis à disposition des maîtres d'ouvrage, on en parlera ce matin au travers d'un témoignage. En tout cas, ce dispositif exceptionnel de soutien qui devait s'arrêter à la fin de cette année a été prolongé jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine. Alors, parmi les dernières décisions qui ont été prises par le conseil d'administration et les instances de bassin, c'est un meilleur accompagnement également des porteurs de projets, des acteurs économiques, au travers d'un déplafonnement un peu technique qui me paraît un peu compliqué d'expliquer en quelques instants. Mais en tout cas, sachez que les porteurs de projets industriels, notamment pour le volet assainissement de leurs effluents, eh bien, ces acteurs économiques, ces industriels peuvent bénéficier d'un soutien beaucoup plus conséquent que ce qui était prévu dans le 11e programme, et que cette mesure qui devait s'arrêter à la fin de cette année a également été prolongée à la fin de 2021. Donc une opportunité d'accompagnement des entreprises, des acteurs économiques pour leurs projets de dépollution. Donc une opportunité à saisir et qui leur permettra de se rapprocher davantage des taux maximum autorisés par l'encadrement communautaire, selon la taille de l'entreprise, qui peuvent aller de 40 à 60%. Donc une opportunité à saisir qui est déjà utilisée actuellement, déployée auprès des acteurs économiques du bassin. On a ensuite un certain nombre de bonnes nouvelles à apporter à plusieurs collectivités concernées sur notre territoire d'intervention. C'est le report des échéances qui avait été fixé dans le 11e programme, notamment l'obligation de zonage pluvial et de diagnostic permanent pour les grosses collectivités. Et cette échéance a été repoussée jusqu'à la fin d'année, jusqu'au 1er janvier 2022, ce qui permettra aux collectivités qui s'étaient engagées dans ce dispositif à terminer leurs outils. Et enfin, une dernière mesure qui visait à accompagner la trésorerie des collectivités et donc des entreprises qui étaient en difficulté ou qui pouvaient l'être. En tout cas, cette mesure de prolongation par un versement d'acompte des aides beaucoup plus important de 50% au moment de l'attribution de l'aide, en fait, est prolongée jusqu'à la fin de cette année.
Alors, il y a eu deux mesures spéciaux, en tout cas spécialement adaptées à la situation sanitaire. Les surcoûts éventuellement générés par le Covid sont aujourd'hui éligibles au titre des aides de l'agence, si elles sont explicitement désignées dans les résultats d'appel d'offres ou dans les offres des entreprises. Donc c'est une possibilité de prise en charge, puisqu'on s'est aperçu que ça pouvait générer, au niveau des mesures de prévention posées par les entreprises, ça pouvait générer des surcoûts. Donc ces surcoûts peuvent être pris en charge au travers des aides qui sont accordées actuellement. Et puis, comme je le disais précédemment, un dispositif de soutien spécifique au dispositif OBEPIN, donc c'est le réseau de suivi des résidus de virus dans les eaux usées, est actuellement un dispositif expérimental qui était porté au niveau national par le réseau OBEPIN, auquel le Grand Reims, par exemple, est adhéré dans ce réseau national porté par le ministère de la Recherche. Ce dispositif spécifique OBEPIN devrait être étendu de façon à avoir un meilleur maillage du territoire. Et donc, là aussi, certaines collectivités qui seraient intéressées pour adhérer à ce dispositif national pourront bénéficier des aides de l'agence sous réserve de l'accord de l'Agence régionale de santé et l'autorisation, et évidemment l'accord des services préfectoraux pour intégrer ce dispositif. Alors évidemment, là où on est le plus attendu, en tout cas où beaucoup d'entre vous êtes très attentifs, c'est la notion des taux bonifiés, puisqu'il y a eu un accroissement des taux accordés pour certains types de projets. Donc, comme ça a été dit par M. le préfet tout à l'heure, une attention est évidemment attirée sur les opérations qui peuvent démarrer très vite et très rapidement. Et donc, pour accélérer à la fois la mise en œuvre de ces projets et permettre aux collectivités surtout d'engager des travaux qu'elles n'avaient peut-être pas imaginé lancer dans des échéances aussi courtes. Donc, ce coup de pouce en termes de taux, ce n'est pas un effet d'aubaine, mais ça doit permettre à la fois de lancer les projets plus vite, peut-être plus loin, peut-être plus fort, avec des opérations que vous aviez peut-être en tête de développer dans les années qui viennent. Donc, au travers d'investissements qui doivent être évidemment prioritaires, puisque là aussi, le coup de pouce financier doit s'accompagner d'effets significatifs sur les objectifs poursuivis par le 11e programme, dont les règles de conditionnalité que vous connaissez n'évoluent pas. Donc cette bonification de taux, elle est conditionnée, comme je l'ai dit précédemment, à une notion de priorité. Alors ce sont des priorités sur les ouvrages d'épuration, que ce soit les stations ou les réseaux, pour améliorer la performance et surtout intervenir sur les masses d'eau les plus dégradées. Donc évidemment, on sera attentif à ce que les projets permettent ou contribuent au rétablissement de l'atteinte du bon état. Et ensuite, un volet spécifique eau potable, comme on le verra, sur les territoires en déficit quantitatif ou les collectivités qui, ces deux dernières années, ont pu être affectées par des manques d'eau en période de sécheresse. Et enfin, dernière priorité, c'est le rétablissement de la continuité écologique, un coup de pouce à certains types d'ouvrages prioritaires pour rétablir la continuité écologique. Alors, dans un dispositif où l'enveloppe sera fatalement limitée, et comme l'a dit M. le préfet, le premier arrivé, premier servi, il va falloir évidemment aussi que, en cas de priorisation, les dossiers ou en tout cas les collectivités qui auront souscrit à un contrat territorial eau et climat seront en tout cas privilégiés par rapport aux autres projets qui pourraient être déposés. Alors, un petit rappel sur les secteurs en déséquilibre quantitatif qui sont matérialisés sur cette carte en jaune, carte extraite de l'état des lieux adossé au SDAJ actuellement en cours d'adoption. Et donc, vous voyez ici que les secteurs en déséquilibre quantitatif concernent une grande partie de notre territoire d'intervention sur les départements de la Marne, de l'Aube, et qui, en fait, aujourd'hui, sont des secteurs sur lesquels on va pouvoir soutenir de façon avec un taux d'aide plus important des projets qui viseront à tendre vers un meilleur équilibre de cet usage de l'eau. Alors, ces taux d'aide majorés, donc vous verrez qu'ils ont évolué au fil de l'année. Je vais les rappeler très rapidement, mais pour plus de renseignements sur les conditions d'éligibilité, les priorités, je vous invite à vous rapprocher des chargés d'opération qui sont territorialement concernés par vos projets. Donc, rapprochez-vous d'eux pour évoquer vos sujets.
En tout cas, nous avons une première série d'opérations qui concerne l'épuration avec un coup de pouce à la construction, à création, mise aux normes, conformité des stations d'épuration sur les masses d'eau les plus dégradées, où le taux d'aide pourra passer de 60% d'aide de subvention plus 20% d'acompte. Donc un taux significatif qui permet d'approcher les 80%. Sur les réseaux d'assainissement, ce taux est également, pour les secteurs en priorité, bénéficie des mêmes taux d'encadrement et de soutien. Évidemment, un regard affûté sera donné sur tout le volet pluvial et notamment l'impact de la collecte et du traitement des eaux de pluie pour améliorer, en tout cas, tendre vers une meilleure atteinte de la qualité des eaux sera également privilégiée en termes de projet. Alors, sur l'eau potable, là, il y a plusieurs évolutions significatives qui sont extrêmement, en tout cas, importantes pour notre territoire. Pour tout ce qui est gestion quantitative, interconnexion, adduction, les mesures s'appliquent et en tout cas le taux a été unifié. Et au titre du plan de relance sur les secteurs en jaune donc présentés précédemment, ce taux d'aide peut être porté aujourd'hui à 60% pour ces travaux. Ça ne concerne malheureusement pas les métropoles et les communautés urbaines. Sur la lutte contre les fuites dans les réseaux de distribution, donc je pense que vous savez que c'est une nouveauté du 11e programme et ça fait partie des conclusions des Assises de l'eau. L'Agence de l'eau maintenant soutient les projets et intervient sur les réseaux de distribution, ce qu'elle ne faisait pas dans son 10e programme, permettant de lutter contre les fuites. Cette mesure qui était initialement prévue dans les ZRR a été étendue aux autres collectivités, donc toutes les collectivités du département et de notre territoire d'intervention à l'exclusion des métropoles et des communautés urbaines. Donc un taux d'aide pour des travaux pour optimiser, renouveler, remplacer les réseaux de distribution. Et cette aide qui n'était actuellement réservée aux ZRR est ouverte à toutes les communes à un taux de 40%. Et un coup de pouce spécifique aux territoires ruraux, puisque la lutte contre les fuites sur les territoires ruraux classés zone de revitalisation rurale, ce taux est porté à 60%, donc une opportunité à saisir dans les mois qui viennent. Une nouveauté dont on parlera tout à l'heure, c'est une expérimentation sur la lutte contre la récupération des déchets flottants. Donc vous savez qu'il y a actuellement une campagne de sensibilisation pour maîtriser les rejets à la mer et dans les cours d'eau des plastiques et autres déchets flottants. Donc le conseil d'administration et le comité de bassin ont souhaité développer un dispositif expérimental nouveau de lutte contre les émissions et les rejets de plastique dans les eaux de surface qui se retrouvent inévitablement tôt ou tard à la mer, avec un taux particulier de 50% d'aide pour les études et 60% pour les travaux. Et ça concerne le piégeage, la collecte des plastiques et des macroplastiques dans les réseaux ou au niveau des masses d'eau superficielles, c'est-à-dire dans les cours d'eau. Et des coups de pouce également au rétablissement de la continuité écologique avec des taux d'aide qui sont bonifiés de 10% pour l'effacement d'ouvrages et un coup d'aide spécifique pour les ouvrages qui impactent ou qui sont utilisés ou qui ont une utilité pour la navigation et qui pourront bénéficier d'une aide spécifique pour la mise en place de passes à poissons ou d'ouvrages de franchissement sur ces ouvrages-là. Alors tout cela, il me paraît quand même important de rappeler que ces aides sont conditionnées par les conditions du 11e programme au respect d'un certain nombre de règles et de préalables que l'on appelle les conditions. Les conditionnalités. Et ces conditionnalités, il faut que vous les ayez bien en tête pour éviter de ne pas pouvoir, en tout cas, de souhaiter développer des projets pour lesquels vous ne pourriez pas être éligible. Donc, parmi cette conditionnalité, vous avez évidemment l'obligation c'est souvent des obligations réglementaires qui vous sont demandées d'ailleurs, c'est de mettre à jour la base de données CISPE, qui est une obligation pour toutes les collectivités de plus de 3500 habitants, en matière d'assainissement, d'avoir un zonage d'assainissement approuvé, de prendre en compte l'impact du changement climatique dans le dimensionnement des ouvrages d'épuration notamment, d'avoir des travaux qui soient des travaux structurants, c'est-à-dire il ne s'agit pas de remplacer quelques mètres de canalisation, mais d'avoir un projet d'ampleur et qui,
qui soient structurants pour la collectivité et que ces travaux soient réalisés sous cette sous charte qualité, mais également que, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, vous disposez d'un délai d'un an supplémentaire pour les obligations en matière de zonage pluvial et de diagnostic permanent pour les collectivités. Alors en eau potable, le sujet est un peu plus complexe. Là aussi, les conditionnalités pour pouvoir bénéficier des aides de l'Agence de l'eau sont plus sévères, tout simplement parce qu'il est nécessaire de faire un pas significatif. Ça a été introduit dans le 11e programme avec des obligations d'avoir une protection de la ressource mise en place, c'est-à-dire que l'arrêté d'autorisation et de déclaration d'utilité publique soit approuvé. L'aire d'alimentation de captage délimitée lorsque le captage en question est affecté par des pollutions anthropiques, que les rendements de réseau, lorsque les rendements sont insuffisants, que des diagnostics sont engagés, et que lorsque les points d'eau sont affectés par des pollutions anthropiques, nitrates, phytosanitaires, eh bien, que des mesures de prévention soient mises en place pour délimiter la zone d'influence ou d'alimentation du captage, qu'une animation soit mise en place, qu'un programme d'action soit établi et surtout qu'il soit mis en place pour pouvoir bénéficier des aides de l'agence. Donc ces dispositifs-là sont importants puisqu'ils sont souvent compliqués en tout cas à assumer, notamment lorsque le périmètre d'une collectivité vient à s'étendre suite à la réforme territoriale, où là il est prévu de donner un délai en tout cas aux collectivités qui hérite en quelque sorte d'un héritage un peu compliqué à supporter, qui leur donne un délai pour rattraper le retard qui a pu être pris dans la protection de la ressource en eau. Donc la lutte contre les fuites, nous sommes dans un dispositif qui est sensiblement équivalent. Hein, les règles d'éligibilité sont un peu différentes, mais l'esprit est à peu près le même. Donc, là aussi, rapprochez-vous des chargés d'opération pour avoir le détail de ces conditions pour pouvoir déposer un dossier en toute quiétude. Alors, au titre des autres mesures du plan de relance, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains projets ou certaines stations d'épuration qui n'étaient pas en conformité équipement au titre de la directive eaux résiduaires urbaines vont pouvoir exceptionnellement jusqu'au 31 juillet 2022 mettre en conformité leurs installations et bénéficier des aides de l'agence, ce qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne pouvait plus faire. Donc là aussi, la fenêtre de tir va être très courte pour pouvoir bénéficier en tout cas de cette aide. Donc si vous êtes concerné par cette mesure, dépêchez-vous, puisque l'année prochaine, il n'y aura plus d'aide du tout à ce type de travaux. On a eu également des mesures d'accompagnement qui sont là plutôt dans la gymnastique budgétaire, qui sont l'augmentation des prix plafonds qui vont en fait réduire l'écrêtement qu'il peut y avoir sur certains projets un peu complexes ou coûteux ou nécessitant des interventions techniques un peu compliquées. Donc ce prix plafond parfois était pénalisant pour des projets sur notre territoire, plus en zone urbaine d'ailleurs souvent qu'en zone rurale. Donc ce prix plafond a été augmenté de façon moins contraindre les accompagnements financiers lorsque les projets étaient compliqués. Et puis, là aussi, une bonne nouvelle pour les gestionnaires de stations d'épuration, c'est la prolongation de la prime pour épuration, prolongation de 2 ans, qui va être maintenue sur les années 2020 et 2021, de façon à ne pas apporter un préjudice supplémentaire aux gestionnaires de stations d'épuration, en tout cas sur les 2 années du programme qui sont devant nous. Alors, au-delà des autres mesures, parmi l'ensemble des décisions prises par le conseil d'administration et le comité de bassin, d'autres mesures ont été prises, dont on parlera un peu ce matin, évidemment. Le soutien à l'agriculture à bas niveau d'intrants, avec 2 mesures spécifiques de façon à soutenir le développement d'agriculture biologique sur le territoire, sur le bassin Seine-Normandie, avec un abondement d'enveloppe de 15 millions d'euros. Puisqu'on savait que la dynamique de conversion à l'agriculture biologique était très intense, notamment sur notre secteur, et qu'il était nécessaire d'y apporter un accompagnement financier complémentaire. Donc le gouvernement, au titre de ces autres mesures, va également, comme la région d'ailleurs, accompagner ce développement de l'agriculture biologique. Donc sur le bassin, un abondement d'enveloppe est prévu pour 2021.
la récupération des déchets flottants, j'en ai parlé tout à l'heure. Je sais qu'il y a plusieurs projets en réflexion sur le territoire pour récupérer ce type de matériaux dans les réseaux. Mais ce n'est pas que des travaux, ça peut être également des études, voire des actions de sensibilisation qui peuvent être adossées à ces mesures de façon à accompagner, former, inciter et avoir vraiment une mesure de prévention qui va depuis l'usager jusqu'à la récupération des déchets flottants dans les fleuves. Lorsque c'est techniquement possible, il y a beaucoup d'innovations à imaginer pour récupérer ces déchets que l'on retrouve dans la nature. Et puis, dernière mesure qui était aussi attendue sur notre territoire, c'était une simplification des conditionnalités des aides au dossier de lutte contre l'érosion et les inondations, notamment sur le vignoble, puisque le 11e programme étant intervenu début 2019, eh bien, un certain nombre de dossiers qui avaient été déjà déposés, autorisés, pour lesquels les déclarations d'utilité publique avaient déjà été prononcées, se trouvaient en difficulté. Eh bien, une mesure spécifique pour ces dossiers anciens, qui mettent parfois plus de 10 ans à se mettre en place, ne soit pas freinée dans leur mise en place. Et donc, à l'heure actuelle, déjà 3 dossiers significatifs ont pu bénéficier de cette disposition et a pu être lancée cette année sur des territoires particulièrement menacés. Et dernière mesure spécifique là, sur le volet de la biodiversité, c'est un développement particulier, c'est sur les aires éducatives pour la biodiversité. Alors, au-delà de ces mesures qui sont déjà opérationnelles, qui sont déjà actuellement développées, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez également d'autres dispositifs d'accompagnement plutôt en termes de l'eau de main et de se lancer dans une réflexion sur des projets novateurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc un projet innovation a déjà été adopté et les candidatures doivent être montées à la direction générale de l'agence pour le 30 avril prochain. Donc le cahier des charges et les dossiers de candidature sont déjà en ligne et vous aurez tout à l'heure une présentation spécifique sur ce dispositif avec 2 autres appels à projets qui doivent avoir le jour d'ici la fin de l'année sur la transition agricole et les milieux résilients de façon à avoir vraiment une dynamique dans les différents compartiments de notre intervention et non pas uniquement sur le volet assainissement ou eau potable, mais d'avoir un regard sur les autres thèmes d'intervention de l'Agence de l'eau. Alors, les aides de l'agence, et je pense que c'est important que vous les ayez bien en tête, c'est que ce dispositif spécifique de l'agence bénéficie d'un abondement budgétaire de l'État de 65 millions, qui sont en fait un abondement du budget général et non pas issu des redevances versées par les consommateurs d'eau. Vous avez d'autres dispositifs de soutien spécifiques pour accompagner les projets dont on a parlé tout à l'heure, notamment en matière d'assainissement et d'eau potable, puisqu'une ligne budgétaire spécifique, ou en tout cas le Premier ministre a annoncé des aides particulières dans ce domaine, en complément des aides accordées par l'Agence de l'eau. Et donc, vous pouvez accompagner ou en tout cas compléter votre plan de financement avec des soutiens financiers qui peuvent être apportés par les conseils départementaux, qui vont abonder ces taux. Également des aides spécifiques de l'État au titre de la DETR, qui sont gérées par les services préfectoraux. La DSIL, qui sont également des crédits d'État qui sont affectés et qui peuvent être aujourd'hui affectés au soutien de projets d'assainissement et d'eau potable. Et pour certains territoires de Meuse et de Haute-Marne, le GIP Objective Meuse, et donc qui va permettre, adossé au dossier CIGEO, également d'apporter un coup de pouce. Donc vous avez une opportunité de financement aujourd'hui qui soit à la fois apportée par l'agence, par l'État ou par d'autres opérateurs, qui vous permettent d'avoir des taux d'accompagnement qui sont exceptionnellement hauts, que l'on ne retrouvera peut-être pas dans le futur, et qui doivent en fait vous permettre de développer des projets ou en tout cas de vous accompagner. Alors, dans la limite de 80% d'aide publique, puisque c'est les plafonds fixés par la loi, et donc ce taux de 80% peut être atteint. Et donc, ça peut en tout cas être une opportunité pour les collectivités dont les budgets, on le sait, sont contraints, leurs capacités d'investissement sont limitées,
eh bien, si un meilleur accompagnement financier est possible au travers des aides de l'agence ou des aides de l'agence plus les aides apportées par l'État, doit pouvoir permettre aux collectivités d'avoir, sans modifier leur capacité d'investissement, de porter davantage de projets et peut-être d'accélérer la mise en chantier de projets qui étaient plutôt programmés en 2021, 2022, 2023 sur les programmes prévisionnels d'investissement. Et là aussi, je pense que nous aurons un témoignage tout à l'heure, parce que ça peut être un coup de pouce très important pour les collectivités, pour accentuer et mettre en place leurs programmes tout en soutenant le développement économique. Voilà, et puis à côté de ces subventions, ne pas oublier qu'il y a également les taux, les prêts à taux réduits. Alors les aides, les taux, les prêts à taux zéro de l'agence, que l'on appelle encore dans notre vocabulaire les avances, ces avances ont été maintenues, elles ont d'ailleurs été rétablies il y a quelques jours par le comité de bassin. Et puis, en tout cas sur les thèmes en question et dans le cadre du plan de relance. Et puis il y a également l'aquaprêt de la Banque des territoires qui peut également accompagner les besoins d'investissement des collectivités pour mettre en place les projets dont nous avons parlé précédemment. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et puis nous sommes ouverts à toutes questions et nous essaierons d'y répondre tout à l'heure à l'occasion de la table ronde. Merci Daniel. Donc on a pris un tout petit peu de retard. On va effectivement attendre vos questions sur le chat, puis on y répondra au fur et à mesure lors de la table ronde. Je vais inviter maintenant les intervenants de la table ronde à venir s'installer. Donc Monsieur Lombard, si vous pouviez vous réinstaller, Monsieur Bédelem également, et puis Fabrice Capi qui est chef du service investissement et collectivité et l'industrie des milieux aquatiques à la direction Vallée de Marne, venir s'installer. Nous avons en visio en direct Pascal Lefort, maire de Compertry, 4e vice-président délégué à la politique de l'eau, espace naturel de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. Et nous gardons bien sûr en ligne monsieur le préfet. On va juste débuter par un certain nombre de témoignages un peu plus concrets ou d'exemples un peu plus concrets et locaux sur la mise en œuvre de ces actions de réaction à la situation liée au Covid. On va débuter d'abord par un petit film réalisé dernièrement dans le cadre de la campagne « Ils l'ont fait, pourquoi pas vous ?» sur la gestion à la source des eaux pluviales. Et puis on continuera par des témoignages d'intervenants. Nous sommes sur le parking collaborateur du site de Vallée-aux-Reims, juste en face du site de production. La problématique rencontrée, c'est qu'on avait une pente descendante vers les voiries. Donc dès lors qu'il pleuvait, on avait toute l'eau de surface du parking qui était évacuée vers les réseaux d'eau pluviale de Reims Métropole. Concrètement, on nous a demandé d'entamer une action environnementale afin de réduire justement ce transfert d'eau pluviale issu du parking vers la voirie. Soucieux de la protection de l'environnement, le site de Vallée-aux-Reims s'est engagé dans une démarche environnementale à refaire son parking à un collaborateur. Donc pour cela, on a opté pour une solution naturelle, donc c'est-à-dire l'implantation de noues. Donc cela favorise l'infiltration de l'eau la plus naturellement possible dans le sous-sol jusqu'à la nappe phréatique. Donc l'aide financière attribuée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie était à hauteur de 50% des frais de travaux liés à l'implantation des noues. Donc ça s'est passé en deux étapes. La première étape, c'était conseil sur les solutions techniques envisageables. Et la deuxième partie, c'était le montage du dossier de financement. La réfection du parking, c'était un projet environnemental. Donc il y en a d'autres sur lesquels on avance là à l'heure actuelle avec l'Agence de l'eau.
Donc nous allons démarrer par un petit bilan local du plan de reprise présenté par Fabrice Capi. Et puis nous aurons quelques témoignages juste après. J'en profite pour vous demander aux personnes qui posent des questions sur les chats de se présenter nommément et ainsi que leur rôle et leur mission pour qu'on puisse effectivement plus positionner les questions. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter un bilan du plan de reprise et des mesures d'urgence, donc qui sont deux dispositifs qui ont été mis en place depuis le mois de juin. Donc c'est intéressant, quasiment six mois après la mise en place de ce dispositif, de pouvoir voir quels sont les types de projets qui ont pu en bénéficier. Donc tout d'abord, le bilan financier du plan de reprise. Nous avons depuis le mois de juin instruit et validé donc 9 dossiers qui ont pu bénéficier du plan de reprise, ce qui représente un montant d'aide de 5 200 000 euros, un peu plus. Donc ces 9 dossiers ont été validés par la commission des aides. Donc ce sont principalement des dossiers d'assainissement. On voit sur la droite les différentes thématiques qui ont bénéficié du plan de reprise. Donc on a essentiellement des créations d'assainissement, que ce soit la collecte et la station d'épuration, un petit peu de réhabilitation de réseau d'assainissement. Et puis on a eu également des dossiers érosion et des dossiers réhabilitation de réseau de distribution AEP, qui est une thématique nouvelle du 11e programme et qui a été renforcée par le plan de reprise. Maintenant, un bilan financier des mesures d'urgence. Donc, spécifiquement pour l'aide à l'hygiénisation des boues, on verra juste après, on aura une présentation spécifique. Mais suite au Covid, les boues non hygiénisées des stations d'épuration ne peuvent plus être épandues. Donc, l'Agence de l'eau a décidé d'encourager la valorisation de ces boues. Et donc, il fallait les hygiéniser auparavant. Donc, on a 5 collectivités qui, depuis le mois de juin, ont bénéficié des mesures d'urgence. Alors, 5 collectivités, mais ça représente quand même 19 stations d'épuration. Donc, c'est quand même assez représentatif donc, sur l'ensemble de notre territoire, sur les départements de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse. Et puis, ça représente un montant total d'aide de 174 000 euros, un peu plus, ce qui représente un montant d'aide par station d'épuration de un peu plus de 9 000 euros. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu la face cachée de l'iceberg. Hein, on aura d'ici la fin de l'année encore de nombreuses demandes qui vont arriver, puisque la plupart des maîtres d'ouvrage ont souhaité attendre la fin de l'année pour pouvoir comptabiliser l'ensemble des coûts. Et donc la bonne nouvelle qu'a annoncé Daniel Benahem tout à l'heure, c'est que ce dispositif est prolongé sur l'année 2021, ce qui rassure les maîtres d'ouvrage, puisque jusqu'à présent, l'interdiction des pentes des boues non hygiénisées perdure. Alors les maîtres d'ouvrage ont dû s'adapter, hein, choisir d'autres filières ou adapter les filières. Donc sur les dossiers que l'on a aidés, on a eu à la fois des transferts vers d'autres stations d'épuration. Donc ça c'était dans le cas de lorsque c'était des comités de communes ou des comités d'agglomération ou communautés urbaines qui étaient compétents et qui avaient à disposition plusieurs stations d'épuration, dont une station d'épuration qui hygiénisait les boues déjà dans son process normal. Donc elle a choisi l'option de transférer ses boues vers les 7 stations d'épuration qui hygiénisaient les boues. Et puis on a eu aussi quelques cas de mise en compostage, donc qui était une filière qui n'est pas forcément la filière identifiée dès le départ par la collectivité, qui transfère donc cette filière d'épandage vers le compostage. Voilà pour le bilan financier. Hein, s'il y a des questions, on y répondra tout à l'heure. Merci Fabrice. Nous allons commencer la séquence des témoignages par l'intervention de Madame Rachel Collin, qui est chargée de mission boue au département de la Haute-Marne et qui va intervenir en visio en direct pour nous parler de comment elle a accompagné les collectivités suite à l'interdiction de l'épandage des boues non hygiénisées. Madame Collin. On ne vous entend pas. Oui, c'est bon, ça y est, j'ai mis le son. Je vais mettre la diapo
Donc bonjour. J'interviens en tant que mission bout. Donc je fais partie, enfin je suis l'animatrice de la mission de valorisation agricole des déchets du département de la Haute-Marne. Et donc je vais orienter ma petite présentation un petit peu sur les actualités Covid de cette année. Donc la MVAD, déjà en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc la mission de valorisation agricole des déchets, c'est un organisme indépendant qui est missionné par arrêté préfectoral et qui a plusieurs rôles, donc une mission d'expertise publique. Dans ce cadre, on donne des avis sur tout ce qui est études préalables à l'épandage des boues, les programmes prévisionnels d'épandage, les bilans annuels, les registres d'épandage et tout autre document sur les déclarations ou autorisations du moment que ça concerne les épandages et les boues de stations d'épuration. On a aussi une mission d'animation et d'information auprès du public, donc des collectivités ou des agriculteurs, en maintenant une veille technique, réglementaire et en offrant un appui pour des cas particuliers, par exemple des communes qui peuvent avoir des pollutions ponctuelles en certains métaux lourds, en hydrocarbures ou autres problèmes. Et en mettant aussi en place des études spécifiques, par exemple en Haute-Marne, on a une problématique du taux de cuivre qui est très élevé sur un secteur, donc on a une étude en route pour essayer de trouver le problème, enfin l'origine et des solutions sur ce taux de cuivre. Voilà. Je réalise aussi des bulletins d'information que j'envoie aux collectivités et aux agriculteurs. Donc, les bulletins étaient jusque-là limités aux collectivités qui sont adhérentes à la MVAD. Cette année, avec le Covid, on a étendu la diffusion des bulletins d'information à toutes les communes qui ont une station d'épuration pour que vraiment tout le monde puisse être au courant de l'actualité sur les problématiques. Ensuite, on a aussi une mission d'appui technique. Donc, j'apporte une aide technique uniquement pour les collectivités de moins de 2000 équivalents habitants, hein, puisque les appuis techniques pour les plus de 2000 équivalents habitants sont de la prestation de service et les missions BOU ne peuvent pas faire de prestation de service. Donc, dans cet appui technique, je leur propose de faire des prélèvements de boue ou de terre. Je fais également les prélèvements de terre puisque la réglementation, l'arrêté du 8 janvier 1998, impose un contrôle sur les analyses de terre tous les 10 ans sur les points de référence. Donc, je m'assure que ces prélèvements sont bien faits. S'ils ne sont pas faits, je vais les faire pour les collectivités. Et donc, je leur propose de réaliser la rédaction du bilan des épandages ou du prévisionnel pour les aider en fin d'année. Et dernière mission principale, centralisation et synthèse de l'information. Donc, jusque-là, on centralisait sur des fichiers basiques type Excel, etc. Et depuis cette année, on a acquis un nouveau logiciel qui s'appelle ERA, dont tous les organismes indépendants, quasi, sauf deux, de la région Grand Est, ont fait l'acquisition pour 2020. Voilà. Au niveau financement de la MVAD, donc vous pouvez voir que c'est Seine-Normandie et la Chambre d'agriculture qui financent la majeure partie de notre budget. Un petit peu, alors en Haute-Marne, on est un petit peu particulier parce qu'on est sur trois agences de l'eau. On n'a pas de chance, mais c'est comme ça. Donc, il y a une grosse partie de notre département qui est sur Seine-Normandie, une petite partie sur RMC et une plus petite partie encore sur Rameuse. Voilà. Donc, ces trois agences, forcément, nous financent au prorata des communes et des stations qui sont sur les départements. Et aussi, on a une petite partie de subvention depuis cette année et l'année prochaine de l'ADEME pour de la collecte d'informations sur les plateformes de compostage. Excusez-moi, j'avais mis dans le silencieux. Donc, voilà. Au niveau Covid. Donc, quelques rappels. Donc, il y a eu un arrêté qui interdit les épandages de boues qui ne sont pas hygiénisés, qui est arrivé. Donc, plus aucun épandage possible. Cet arrêté est arrivé le 30 avril 2020. Donc, il précise les modalités d'épandage des boues issues des eaux de traitement des eaux usées pendant la période Covid. Donc, il interdit tous les épandages en Haute-Marne à partir du 23 mars. En fait, suivant les départements, la date peut changer, varier de quelques jours,
La date a été fixée en fonction du taux de contamination de Covid par département à un moment donné. Donc pour la Haute-Marne, nous, c'était le 23 mars, mais ça ne varie pas de énormément, hein, c'est quelques jours. Qu'est-ce que l'hygiénisation ? Donc un petit rappel, l'hygiénisation consiste à supprimer tous les pathogènes en fait, des bouches. Les conditions précises d'hygiénisation sont citées dans l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998. Donc, il existe quelques solutions pour hygiéniser les bouches. Donc, par exemple, le compostage en plateforme agréée uniquement. Cette solution sera privilégiée pour des boues assez épaisses. Nous, les plateformes, nous demandent que les boues soient pelletables pour pouvoir les accepter. On peut les envoyer en dépotage en tête de station ou c'est à condition qu'à la suite, bien sûr, les boues soient hygiénisées, ou le chaulage pour les boues liquides, c'est la solution qui sera privilégiée. Voilà. Et il y a aussi, par exemple, du séchage thermique. Je vous ai cité les principaux, mais il en existe également d'autres. Il faut se reporter à l'arrêté de 98 pour avoir plus de détails. Donc, la MVAD, au niveau du Covid, pendant le confinement, j'ai appelé toutes les communes, les les communautés de dépendage réguliers, ce qui représentait 41 stations. Donc, j'ai fait ça pendant le premier confinement, en mars, pour connaître la situation, surtout leur dire que l'épandage était interdit et savoir quelles étaient leurs intentions vis-à-vis de la gestion de leur boue. Donc voilà, j'ai également diffusé des bulletins d'information, donc comme je vous disais tout à l'heure, à toutes les communes qui ont des stations d'épuration sur le département. J'ai diffusé donc plusieurs bulletins au départ et je continue à les diffuser aujourd'hui en mettant à jour bien évidemment l'actualité réglementaire d'aujourd'hui. J'ai mis en place des visios dites Covid où participait donc la DDT de notre département, le conseil départemental, les techniciens chambres d'agriculture qui peuvent intervenir sur les bouches et les trois agences de l'eau. Voilà. Donc ces visios étaient assez importantes puisqu'on pouvait y aborder les évolutions, les problématiques, les situations urgentes. C'était un partage assez vivant et actif. J'ai aussi appelé forcément les partenaires, comme les fournisseurs de lait de chaud, pour connaître leur disponibilité, le fonctionnement. Enfin, le lait de chaud est quelque chose dont on n'entendait pas du tout parler jusque-là, qui est devenu aujourd'hui presque inévitable. Donc voilà, beaucoup de communication avec ces personnes-là. Des prestataires comme Veolia, de notre département, c'est Veolia qui gère le dépotage en tête de station sur les deux stations qui peuvent les prendre. Et bien sûr, les plateformes de compostage pour connaître leurs capacités, leurs exigences et les moyens qu'ils avaient à disposition. Bien évidemment, il fallait être disponible à l'écoute, conseiller et orienter les gens. C'est quelque chose qui était difficile à gérer pour les nouveaux élus. Donc, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations de la part de tout le monde. Donc, les conseils actuels, si les gens me contactent, qu'est-ce que je peux leur donner comme conseil ? Pour les boues solides, je les oriente d'office sur du compostage. C'est ce qui, au niveau économique, sera le plus logique sur notre département. Pour les boues pâteuses type lagunage, s'il y a une urgence de curage, on les orientera en compostage aussi. Mais par contre, c'est très coûteux puisqu'elles ne seront pas assez épaisses pour aller en compostage en l'état. Donc, il faudra les déshydrater. Donc, s'il est possible d'attendre, moi, je leur conseille vraiment d'attendre les évolutions réglementaires que l'on espère arriver courant de l'année prochaine. Et pour les boues liquides, donc notre conseil sur le département de la Haute-Marne, c'est de partir soit en tête de station sur les trois communes qui peuvent l'accepter, soit traiter au lait de chaud pour les silos qui le peuvent. C'est-à-dire que pour pouvoir traiter au lait de chaud, il y a quelques conditions à respecter. Et la plus importante, c'est d'avoir un agitateur qui fonctionne. S'il n'y a pas d'agitateur dans le silo, ce n'est pas possible. Donc, la MVAD, du coup, a aussi fait l'acquisition d'un pH-mètre, puisque c'est une des conditions pour le traitement au lait de chaud. Il faut surveiller le niveau de pH. Il faut que le pH monte à un taux de 12 pendant 10 jours à partir du moment où on met le lait chaud.
Donc, les petites communes n'avaient pas forcément de matériel. Donc, en fait, on a acheté un pH mètre à la chambre et on le prête aux communes qui veulent mettre en place ce type de traitement. J'ai aussi rédigé donc un protocole type de traitement puisque les communes qui voulaient mettre en place aussi ce type de traitement, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, pour les aider, on a rédigé un protocole type qui sera adapté ensuite au cas par cas pour chaque commune. Et puis, je propose toujours pour aider ces communes-là, réaliser les prélèvements de boue traitée, puisque donc le système de LED chaud impose des analyses bactériologiques qui ne sont pas à faire en temps normal. Donc, je me rends sur les stations pour faire les analyses bactériaux. Donc, il y en a au moins 3 à faire, voire plus, suivant le temps de durée du traitement. Les difficultés qu'on a pu rencontrer, donc sur notre département, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 3 agences de l'eau, donc 3 règles différentes au niveau des financements. Donc, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Autre difficulté, ce n'était pas forcément le bon moment que ça arrive, puisqu'on sortait des élections, nouvelles équipes municipales, donc des nouveaux maires, nouveaux conseillers qui arrivent sur une commune. Les bouts de stations d'épuration, ce n'est pas forcément le sujet le plus attrayant et le plus courant. Donc, forcément, il a fallu bien insister et orienter ces nouvelles équipes. Autre difficulté, moi, ce qu'on constate, c'est que les communes attendent d'être face au problème pour rechercher une solution. Pour eux, les boues, ce n'est vraiment pas la priorité de leur mandat. Donc, ils attendent que le silo soit plein ou qu'il y ait une vidange assez urgente pour chercher la solution. Donc, on fait toujours un petit peu pompier de dernière minute. Donc, sur le département de la Haute-Marne, on a 214 stations d'épuration existantes. Seuls 5 lisiers hygiénisaient les boues jusqu'à avant le Covid. Langres et Chaumont les traitaient en compostage normalisé. Donc, ces communes-là n'ont pas eu de soucis avec le Covid. Ils pouvaient toujours les éliminer de la façon habituelle. Par contre, les autres étaient obligés de trouver une solution. Donc, on a, à notre connaissance, 62 stations d'épuration en boue activée. Donc, c'est des boues liquides, dont les silos sont à vider prochainement. Donc, soit avant la fin de l'année, soit au printemps, mais ils seront à vider, quoi qu'il arrive, assez rapidement. Les dépotages en tête de station peuvent être une solution d'urgence, mais par contre, les stations qui prennent ce type de solution peuvent être rapidement saturées, donc ne pourront pas accepter toutes les stations. Tout cela aura bien évidemment un surcoût pour les communes. Par exemple, une évacuation en compostage, nous on a fait déjà, j'ai récupéré quelques devis pour avoir une idée, ça représente de 77 à 200 euros du mètre cube suivant la siccité en fait des boues, contre habituellement 6 à 12 euros du mètre cube pour un épandage classique. Voilà, donc il y aura forcément un surcoût à prendre en charge pour les collectivités. Et les analyses bactériologiques sont également très chères, puisque une analyse de base, c'est plus de 700 euros, en tout cas nous, sur le laboratoire qu'on utilise. Donc, il y en a 3 à faire. Et ces analyses ne sont pas subventionnées, malheureusement, dans le cadre des aides des agences. Donc, c'est une charge qui restera à la commune. L'Agence de l'eau Seine-Normandie aide cependant 80%. Donne 80% d'aide pour l'élimination des boues Covid. C'est l'agence qui aide le plus, des 3. Et c'est nécessaire et indispensable pour que les petites collectivités qui ont des petits budgets puissent s'en sortir dans ces situations-là. En tout cas, ça les incite fortement à réagir puisque la subvention est élevée. Donc, et après, comment on voit les choses? Donc, on sait que de nombreuses communes ont attendu, je vous le disais tout à l'heure, ils réagissent dans l'urgence. Les silos n'étaient pas forcément pleins, donc ils espèrent une évolution réglementaire. Et puis, par manque de temps ou de compétences, on attend des fois qu'on puisse répondre. Donc, sur notre département, pour l'instant, seulement 2 stations ont traité au LED chaud en 2020, mais on a beaucoup de projets sur le début d'année 2021. Pour les stations ayant envoyé les boues en tête de station,
il faudra à nouveau soit traiter, soit encore évacuer, hein, puisque l'évacuation en tête de station a été pour la plupart une solution d'urgence pour soulager les stations, mais en aucun cas pour vider les silos. Donc, on attend énormément de demandes, surtout pour le début d'année 2020, puisque la plupart des épandages se réalisaient sur le printemps ou sur l'été. Voilà. Donc, du coup, on a déjà on essaye d'anticiper et de réappeler toutes les communes pour connaître leurs intentions sur 2021, mais on sait qu'il y aura énormément de traitements et d'évacuation sur 2021. Donc, l'aide de l'agence est bien évidemment indispensable pour 2021, puisque la plupart des traitements seront réalisés sur 2021, surtout que le Covid étant toujours présent, les boues sont toujours inépandables en l'état. Donc, voilà. Sans l'aide de l'agence, ce serait vraiment très, très difficile et les boues ne seraient pas évacuées. Les communes ne pourraient pas le supporter financièrement. Donc voilà, et après, évolution réglementaire, on ne sait pas du tout. On attend, on espère. Les plus optimistes disent début d'année, milieu d'année. Les plus pessimistes diront fin d'année ou pas du tout, ou hygiénisation obligatoire. Bon, en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Voilà. J'ai terminé. Je sais pas. Je vous remercie, Madame Collin. Ce fut très instructif. Il faut reconnaître que votre mission est importante auprès des collectivités de façon normale, mais en ces temps de Covid, elle est devenue presque fondamentale. Et vous parliez tout à l'heure de pompiers, c'est vraiment important. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Marginier, qui est directeur de l'Union des syndicats d'eau du sud de l'Aisne, l'UZESA, pour nous parler de ce qu'il a eu en termes de bénéfices au titre du plan de reprise de l'agence au niveau de ses projets de réseau de distribution d'alimentation en eau potable. Monsieur Marginier, si vous m'entendez, c'est à vous. Bonjour à tous. Je me présente, Eric Marginier, je suis directeur de l'Union des services d'eau du sud de l'Aisne, dans le département de l'Aisne. Je vais vous présenter un PowerPoint. Je partage l'écran. Vous avez tous le PowerPoint en vue? Oui, si vous nous entendez. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, sur la première diapositive, donc, c'est le territoire de l'UCESA, Union des services d'eau du sud de l'Aisne, donc vraiment sur le sud de l'Aisne. Aujourd'hui, on est présent sur 100 communes, donc avec les chiffres clés, 100 communes, plus de 65 000 habitants desservis, près de 30 000 abonnés. Donc ça, ces données-là vont un peu être modifiées à partir du 1er janvier 2021 avec l'arrivée de nombreuses communes suite à la loi NOTRe. Donc là, on va passer à 107 communes, près de 80 000 habitants et 35 000 abonnés. Donc actuellement, on a 23 ressources souterraines. On va passer également à 28 ressources et une prise d'eau en Marne, donc dans la rivière Marne, à hauteur de 400 mètres cubes. Actuellement, donc, on a également 70 réservoirs, plus de 1200 km de réseau, 4 millions de mètres cubes vendus donc, à l'ensemble des 65 000 habitants, un rendement de 84,3%, un indice linéaire de perte, donc là c'est un indice un peu plus parlant, on va dire, au niveau technique, qui permet de donner le nombre de mètres cubes perdus par kilomètre et par jour. Donc un indice un peu plus efficace par rapport au rendement qui est surtout basé sur des volumes. Là, on est aussi basé sur le linéaire du réseau. Donc là, pour nous, qui est quand même important, de plus de 1200 km. Également, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale. Donc, c'est un indice réglementaire donc, qui est calculé sur 120 points. L'UCESA a 110 points. Donc, ça permet de montrer qu'on a une très bonne connaissance de notre réseau.
Au niveau de la démarche de gestion patrimoniale qui a été enclenchée par les élus depuis quelques années, donc elle est basée sur un schéma directeur, donc un nouveau schéma, une étude diagnostique qui a été approuvée par les élus lors d'un comité syndical en mars 2020, donc juste avant le Covid. Et c'était une étude qui a duré en gros un an et demi et qui a été, on va dire, la successrice d'un premier schéma directeur qui avait été mis en place depuis 2008, donc, en 2008 jusqu'en 2010, donc qui a duré une dizaine d'années. Donc, bah, comme vous le savez, à peu près tous les 10 ans, il faut un petit peu renouveler les schémas pour un petit peu rebattre les cartes et voir un petit peu les évolutions nouvelles et anciennes sur le territoire. Donc, la politique des élus est de renouveler le réseau de 1% par an. D'ailleurs, c'est indiqué dans notre contrat de DSP. On est en délégation de services publics. Donc, c'est, y a un pendant entre l'UCESA, les élus décident de renouveler le réseau 1% par an et, on va dire, notre délégataire s'engage à, obtenir un rendement important aussi en particulier grâce à ce renouvellement de réseau. Ce renouvellement de réseau, il est ciblé grâce à de nombreux compteurs de sectorisation donc ont été mis en place sur l'ensemble du territoire, sur les plus de 1200 km. Et ça nous permet d'avoir des tronçons identifiés lors du diagnostic pour permettre de bien de réaliser les chantiers d'investissement là où c'est nécessaire, là où on retrouve de nombreuses suites. Et donc, ça aboutit également, donc, et c'est à l'intérieur de notre schéma directeur, une programmation pluriannuelle, donc de travaux courants, on va appeler ça courant, c'est-à-dire de renouvellement de canalisations qui sont identifiées grâce au diagnostic, et également tous les travaux d'investissement au niveau de toutes nos interconnexions qui sont à réaliser donc, entre les différents secteurs du syndicat et également dans le futur, et puis ce qui s'est passé récemment avec certaines nouvelles communes sur lesquelles on interconnecte pour qu'ils puissent permettre, permettre d'amener l'eau du syndicat vers ces communes. Alors, pour revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire le plan de relance et les aides de l'agence. Donc là, dans un tableau, on vous a remis tous les chantiers de l'UCESA qui ont été aidés par l'agence ces dernières années. Donc, en première ligne, sur les deux premières lignes, vous retrouvez des conventions de 2018. Alors, c'est antérieur au plan de relance, mais c'était la conséquence des appels à projets qui avaient déjà été lancés par l'agence au niveau de la réduction des fuites. Donc, on a été bénéficiaire de deux dossiers. Deux dossiers ont été retenus par l'agence. Donc, comme vous le voyez sur la dernière colonne, ça a quand même permis au syndicat d'être aidé à hauteur de 910 000 euros. Ces chantiers-là, à l'époque, par rapport à l'appel à projet, étaient aidés à hauteur de 50%. Donc là, ça a quand même permis, vous le verrez sur la diapositive suivante, d'aider le syndicat par rapport à augmenter son taux de renouvellement et donc également de faire des opérations supplémentaires de renouvellement sur son territoire. Ensuite, on passe, on va dire, aux aides qui ont eu lieu avant le plan de relance, c'est-à-dire en 2019, avec des taux d'aide suite au 11e programme de l'agence à hauteur de 40%. Donc là, vous retrouvez différents chantiers sur différentes communes pour lesquelles l'agence a aidé à hauteur de pratiquement 600 000 euros. Vous retrouvez le montant exact sur la dernière colonne. Et donc là, ce qui est depuis 2020 donc, et qui est relatif au plan de relance, donc là, on a les différents chantiers qui ont déjà été dont les dossiers de demande d'aide ont déjà été accordés, donc que vous retrouvez sur les dernières lignes, donc à hauteur de 60%. Donc en 2020, on a déjà eu des accords de l'agence à hauteur d'un petit peu plus d'un million d'euros. Et donc là, sur la dernière ligne, vous retrouvez également les deux derniers dossiers qui vont être déposés là ces prochains jours, après les délibérations du comité syndical pour les deux derniers chantiers. Donc là, ce que je voulais voir quand même, c'est que les élus du CESA ont eu une politique, on va dire, d'investissement forte au niveau des investissements courants, c'est-à-dire des renouvellements de réseaux par rapport à l'identification de nombreuses suites sur les réseaux. Et sur les trois dernières années, ça nous a quand même permis
d'être aidés à hauteur de un peu plus de 2,5 millions par l'agence, par différents systèmes, que ce soit les appels à projets, que ce soit l'apparition d'aides dans le 11e programme et depuis 2020 du plan de relance. On a essayé de vous imaginer un petit peu là, ce que nous a apporté ces différentes aides. Donc là, vous retrouvez sur le diagramme au-dessus trois éléments. Donc les taux de renouvellement de l'UCESA. Donc comme je disais, que l'engagement des élus et leur volonté, c'est toujours d'avoir au moins 1% de renouvellement. Donc là, vous voyez que sur 2016-2017, on était à hauteur de cette ambition. En 2018, grâce aux deux dossiers d'aide, on a réussi à atteindre pratiquement 1,5. En 2019, on est revenu à notre taux habituel. Et là, en 2020, donc l'année 2020 n'est pas terminée, mais on a déjà pris en compte l'ensemble des dossiers que vous avez vus, également les investissements sur les interconnexions qui ont aussi été aidés, et que vous verrez sur la diapo suivante. Donc là, on est au jour d'aujourd'hui à 1,4% de renouvellement. Donc là, on a quand même deux pics en 2018 et en 2020 qui s'expliquent par les appels à projets en 2018 et par le plan de relance en 2020 avec les aides de l'agence. On vous a mis en parallèle le trait vert qui est sur l'indice linéaire de perte. Ça permet de vous montrer que le renouvellement renouvelé permet aussi, heureusement, de diminuer cet indice, ce qui est important. Et dans le sens contraire, comme nos réseaux en termes de linéaire et surtout en termes de vente d'eau ne bougent pas beaucoup ces dernières années, vous voyez que le rendement a augmenté grâce à ces renouvellements. On trouve en dessous dans le tableau, donc ça image le graphe que vous avez au-dessus. Donc là, vous retrouvez tous les éléments. Donc avec le linéaire renouvelé, donc en termes de kilomètres, hein, qui nous permet de faire le calcul du taux de renouvellement, bien sûr. Et on vous a mis également le linéaire qui a été renouvelé avec les aides. Donc là, forcément, 2016-2017, il n'y en avait pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'aide de l'agence. Et par contre, vous voyez que depuis 2018, par rapport aux différents systèmes qui ont été mis en place par l'agence, vous retrouvez une grande partie des linéaires renouvelés qui ont été aidés. Donc là, le taux moyen de renouvellement 2016-2020 n'est plus au niveau de 1% comme on était sur les années précédentes, sur les 5 dernières années. Alors pourquoi les 5 dernières années? C'est parce que c'est l'indice au niveau de CISPEA qui nous demande de calculer le taux de renouvellement sur les 5 dernières années et non pas sur l'année X. Donc là, sur les 5 dernières années, on est à 1,2%. Juste pour rappel, le taux de renouvellement en France est à peu près situé entre 0,5 et 0,6. Donc là, vous pouvez voir que pour notre syndicat, on est à plus du double du taux de renouvellement annuel français. Pour terminer, donc les points positifs que nous a apporté le plan de relance. Donc c'est un petit peu un résumé de ce que je vous ai dit sur les diapos précédentes. Donc la hausse des aides, elle nous a permis de lancer un nombre plus important de marchés avec le même autofinancement. Bon, tout ça grâce à des opérations qu'on a déjà identifiées lors du schéma directeur. Donc, le schéma directeur nous permet d'avoir de l'anticipation et d'être prêt, justement, quand arrivent des éléments comme celui-là, d'être prêt à enclencher très rapidement des opérations. Ça nous a permis également d'en anticiper certaines qui étaient prévues sur les années prochaines. Et donc, grâce à ces aides, ça nous permet, donc, comme je disais précédemment, d'en faire un nombre plus important, mais également d'anticiper surtout le schéma directeur. Des opérations qui, par exemple, devaient avoir lieu en 2022-2023, vont peut-être, pour certaines, pouvoir être avancées en 2021 grâce à ces aides de l'agence. Aussi, pour vous indiquer sur le graphe précédent, vous retrouviez principalement nos chantiers courants, les chantiers de renouvellement, les chantiers
qui sont issus de nos campagnes de sectorisation qui nous permettent de détecter les fuites sur les réseaux. Là, vous avez également les interconnexions. Donc, on a été aidé aussi sur une interconnexion entre Château-Thierry et Villers-Cotterêts. Donc, c'est une interconnexion qui est en cours de travaux actuellement sur un linéaire de 24 km. Donc, Villers-Cotterêts, c'est une commune d'environ 12 000 habitants qui a des soucis au niveau de l'approvisionnement en eau potable. De nombreux puits sont réalisés, mais ils ne sont pas au rendement attendu. Donc, il y a un souci de quantité. Donc là, la commune va adhérer au syndicat très prochainement. Mais en 2020, une interconnexion a été réalisée pour leur permettre d'avoir un secours par rapport à leurs problématiques. Donc là, un linéaire de 24 km est en cours de pose, donc un montant de travaux de 4,3 millions et une aide de 60%. Comme vous le voyez, c'est 2,5 millions qui sont aidés par l'agence Seine-Normandie. Actuellement, on est également, on va lancer les travaux au printemps 2021. Donc là, actuellement, on est en train de retenir les attributaires des différents lots. Donc là, en 2021, on a encore un linéaire de 24 km pour interconnecter donc entre Château-Thierry et le secteur de Ferrand-Terre-de-Noix. Donc, une vingtaine de communes, donc pour un montant estimé à 6,4 millions hors taxes. Donc là, c'est un dossier qui n'est pas encore déposé. Et bon, on espère aussi avoir des aides dans le cadre du plan relance. Donc voilà, tout ça, ça permet aussi de vous indiquer que les interconnexions sont aussi possibles parce qu'on a une ressource on va dire, majeure qui a été mise en place dans le précédent schéma directeur. Donc, c'est une prise d'eau en Marne. Et ça nous permet, grâce à cet outil, de permettre d'alimenter en secours de nombreux secteurs de notre syndicat et à terme de tous les alimenter en secours tout en gardant de nombreuses ressources souterraines au niveau de l'ensemble du territoire. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute. Monsieur Marginier, merci beaucoup de votre témoignage. J'en profite pour vous. Effectivement, bon, j'espère que vous pourrez continuer à participer avec nous à cette table ronde, puisqu'on a certainement des questions à vous poser également. Je ne sais pas si Pascal Lefort est encore connecté. J'aimerais débuter par une question, voilà Pascal, merci. Une question à son niveau, comment le plan de relance ou le plan de reprise a dynamisé le programme d'investissement de la communauté d'agglomération ? Oui, bonjour à tous et à toutes. M'entendez-vous correctement ? Très bien. Parfait. Bien, alors permettez-moi tout d'abord peut-être de changer la formule. Je dirais plutôt concernant Chalon Agglo, que la question qui se pose, c'est le plan de relance va-t-il dynamiser ou va dynamiser mon programme d'investissement ? Excusez-moi pour ce trait d'humour, mais cette année pour Chalon Agglo, donc la communauté d'agglomération de Chalon-Champagne a été particulière, car en quelques mots, cette communauté d'agglomération regroupe 46 communes. Nous gérons la compétence assainissement depuis de nombreuses années. Mais depuis le 1er janvier 2020, la loi NOTRe l'ayant obligé, nous avons pris en charge la gestion de l'eau potable ainsi que la gestion des eaux pluviales urbaines. Donc, tout cela cumulé à cette pandémie, vous imaginez bien que nos investissements ont pris quelque peu de retard. Pour terminer la description de Chalon Agglo, nous avons 4 budgets annexes et une capacité d'investissement estimée globalement à 8 millions d'euros. Voilà, le cadre étant posé, en effet, pour nous, le plan de relance proposé par l'agence de l'eau s'avérera être un soutien important. Et j'ai relevé avec beaucoup d'intérêt les présentations de M. Bedelem et de M. Capi. Je soulignerai quelques points parce que beaucoup de sujets nous intéressent et vont nous encourager à investir davantage et plus vite. J'ai noté entre autres le report de l'échéance des zonages pluviaux
au 1er janvier 2022. Je ne vous cache pas qu'en période de transfert de compétences, ce critère est important, car il servira à la fois, cette étude servira à programmer, à définir nos investissements et bien sûr à valider sur le plan réglementaire cette compétence au pluvial. Avec satisfaction, j'ai constaté aussi les taux bonifiés qui ont été présentés sur les stations d'épuration concernant leur réhabilitation et les réseaux, en particulier pour les masses d'eau dégradées. Et nous avons en effet deux projets de requalification de stations d'épuration bois activées en secteur rural. Et je ne vous cache pas qu'en effet, on ne va pas se contenter de mettre en conformité la station, mais nous allons essayer d'accélérer pour prendre en compte la réhabilitation du réseau. Et cela, bien sûr, grâce aux bonifications qu'on pourra espérer. Très bonne nouvelle aussi pour nos capacités de dégagement d'autofinancement, la prime pour épuration, qui serait maintenue 2 ans de plus, d'après M. Bedelem. Donc ça, c'est aussi pour nous 500 000 euros par an. Je ne vous cache pas que c'est tout à fait important. Voilà, en quelques minutes, quelques remarques abrupte sur ce constat, sur ce plan de relance de l'agence qui, j'en suis convaincu, va dynamiser notre programme d'investissement. Merci, Monsieur Lefort. J'en profite tant qu'on vous a, peut-être pour vous poser une question complémentaire. Et qu'est-ce qui vous manquerait finalement au titre du plan de relance ? Alors, un soutien en moyens humains, pour être très clair. Quand on reprend deux compétences avec 46 communes, des compétences en partie gérées en régie directe ou d'autres en délégation de services publics, eh bien, écoutez, il nous faut des forces vives. Et d'ailleurs, je pense que l'agence a un rôle important à jouer en matière de soutien en animation, comme elle le fait déjà. Nous avons la preuve à Chalon-Aglo à travers le financement d'un animateur dans le domaine de l'eau potable, qui est particulièrement actif dans le cadre de la préservation de la ressource en eau. Et d'ailleurs, nous aboutissons à une dizaine de points d'eau de communes sur lesquelles nous avons lancé ou déjà bien avancé des études d'aires d'alimentation de captage et des plans d'action, bien sûr, qui en découlent. D'ailleurs, malheureusement, nous avons été obligés d'annuler les réunions avec les agriculteurs situés sur certains de ces aires d'alimentation de captage en lien avec la pandémie. Mais la Chambre d'agriculture et notre animateur font un excellent travail. Donc, pour revenir à cet exemple, pour m'inspirer de cet exemple, il est certain que dans le domaine des milieux récepteurs, dans le domaine du pluvial, dans le domaine de l'assainissement, nous avons besoin de forces vives pour aller plus vite. Et bien sûr, l'agence, comme j'ai pu le constater et le dire, apporte un financement en matière d'animation. Et je voudrais vous encourager à poursuivre, voire pourquoi pas à majorer, ce qui permettrait d'embaucher peut-être encore plus. Dans le cadre du plan de relance, l'emploi aussi est important, aussi important que l'activité économique. Et donc, je me permets cette suggestion d'apporter un soutien maintenu, en tout cas au moins pour l'animation auprès des collectivités. Merci, Monsieur Lefort, c'est bien noté. Alors, je poserai une question un petit peu équivalente à Monsieur Lombard, qui est représentant au comité de bassin au titre des industriels. Au niveau des industriels, vous connaissez le contenu du plan de reprise, du plan de relance. Qu'est-ce qui, pour vous, est un point positif, est un point négatif pour les industriels dans ce cadre-là ? Qu'est-ce qui vous manquerait ? Vous m'entendez là ? Ça passe, c'est bon, merci. Oui, bien, merci pour la question. Le problème, c'est que c'était d'avoir rappelé tout à l'heure par M. Bedelem, il y a quand même un encadrement des aides dans différents secteurs. Et pour nous, industriels, il y a un encadrement communautaire qui plafonne les aides à 50%. Donc, vous avez vu à travers les différentes présentations et puis les échanges qu'on peut avoir, une des actions de l'agence a été d'augmenter les taux d'aide. Et donc, cette possibilité qui a été bien sûr offerte principalement aux collectivités, et tant mieux pour les collectivités, je pense qu'elles en ont largement besoin, eh bien ne peut pas être pour les industriels. Alors, bien sûr, l'agence qui a donc un rôle aussi à jouer, on l'a vu quand même la première présentation qui était quand même industrielle, permet aussi à travers ce plan de relance une certaine forme, je dirais, d'émulation. C'est tout l'intérêt aussi, on peut le constater, l'adaptation qu'on peut avoir au niveau de l'agence et de ses décisions. Et un travail qui a été fait, c'est quand même la remise à plat ou une réflexion sur l'assiette, parce qu'en fin de compte, si on ne peut pas toucher sur
bien, le montant de l'aide, on peut travailler sur l'assiette. Et de ce côté-là, il y a comme une évolution pour la prise en compte, je dirais, d'une partie, entre guillemets, charge fixe. Monsieur Benelem, c'est ça qu'on a augmenté à 600 000 euros au maximum, alors qu'avant, on était à moitié, si mes souvenirs sont bons. Donc, la prise en compte, je dirais, en partie de la charge fixe de tous les projets. Et puis, on travaille, je ne sais pas si c'était évoqué hier à la commission des aides, mais on travaille aussi au niveau de la Fenarive, qui est donc la structure qui regroupe les industriels au niveau national, pour je dirais, faire des propositions pour augmenter l'assiette, tout en respectant bien sûr la réglementation. Voilà, donc je pense qu'à travers cet épisode un peu difficile et douloureux, cela permet quand même une certaine forme de remise en cause et de réfléchir à d'autres évolutions par rapport à l'aspect organisation, enfin la base du calcul des aides de l'agence. Alors, je voudrais quand même rebondir sur l'intervention de M. Lefort, si vous permettez, parce que moi-même, je suis élu, mais je suis plutôt là, je suis aussi en niveau du comité de bassin, je suis membre du conseil d'administration, et il y a un point sur lequel vous avez insisté sur la dernière de votre intervention, c'est la partie humaine, enfin, je dirais l'accompagnement humain. C'est vrai que de l'argent, c'est bien, mais on s'aperçoit que tout ça, il faut aussi qu'il y ait des accompagnements humains. Et on a quand même alerté au dernier conseil d'administration sur, je dirais, on a beaucoup regretté la baisse continuelle des effectifs de l'agence. Alors, vous avez cité, bien sûr, qu'il y a des personnes qui peuvent être embauchées au niveau des structures telles que les vôtres ou d'autres structures qui sont, bien sûr, aidées par l'agence. Mais on assiste aussi, nous, je dirais, représentants, je dirais, de l'ensemble des, je dirais, des parties prenantes qui travaillent au niveau de l'eau, pour que, au niveau de l'agence, les effectifs ne diminuent plus et que l'aide, l'assistance technique qui était, je dirais, un point fort de l'agence, le reste, et que l'agence ne se résume pas à une seule structure financière. Voilà, donc je pense que ça, j'ai bien entendu votre message, nous y adhérons totalement et je pense qu'il faudra bien sûr le relier au niveau des politiques de façon importante et ou bien sûr au niveau des structures de l'État. Voilà. Je vous remercie. Patricia Blanc, je pense qu'elle n'est pas connectée, mais essaye aussi, par son travail, de rapporter cette problématique-là qui nous concerne fortement. Alors, je vais essayer de remonter quelques petites questions qui nous reviennent de la part des chats ou par mail. J'ai M. Francis Blain, vice-président de la communauté urbaine de Grand Reims, qui s'étonne du fait qu'il y aurait une discrimination à l'égard des communautés urbaines et métropoles sur le volet réduction des fuites hors ZRR. Puisqu'il considère qu'il a de gros besoins sur les territoires ruraux à équilibre quantitatif fragile. Voilà, je ne sais pas si c'est Daniel, vous pouvez répondre ou... Moi, je peux répondre parce que je pense que j'ai été alerté par votre directeur des services eau et assainissement sur ce point-là. Bien sûr, Madame la Présidente de Grand Reims nous a sensibilisés sur cette difficulté-là. Je l'ai remonté aux structures ad hoc. Monsieur Benelem, il a bien dit tout à l'heure, il a évoqué que les comités d'agglomération ont, je dirais, c'est de par la réglementation, je pense. Monsieur Benelem, vous pouvez compléter mon propos. Aujourd'hui, ce point-là, bien sûr, bloque. Nous le remontons et je ne dis pas qu'il sera traité demain, mais on l'a bien pris en compte. C'est une spécificité, c'est l'inconvénient des grandes structures qui intègrent des communes en ZRR. Je pense que moi-même, élu d'une commune très rurale, il faut combien se défendre. C'est une difficulté. Je ne sais pas, M. Boudelem, ce que vous en pensez. Oui, donc je voudrais compléter vos propos, M. Lombard. C'est, comme vous le savez, donc le bassin Seine-Normandie est fortement sous influence d'une très très grosse métropole. Et donc les mesures qui sont prises au niveau du programme doivent toujours prendre en compte l'importance de ce bassin de vie. Et donc lorsque l'on veut donner un coup de pouce aux territoires qui sont plus ruraux, la décision qui est souvent prise, c'est voilà, d'avoir des règles qui sont différentes pour les plus grosses agglomérations. Sauf que la région parisienne n'est pas concernée et en tout cas ne compte pas de territoires, en tout cas de communautés urbaines qui intègrent en leur sein autant de communes qui sont elles-mêmes en zone en ZRR. Donc ça, c'est un cas complètement atypique, hein, qui n'existe d'ailleurs que sur le territoire du Grand Reims. Et donc ce qui fait que malheureusement, le plan de relance avait exclu, pour que justement les fonds ne soient pas concentrés sur la région parisienne, un certain nombre de grosses collectivités, pour éviter évidemment d'avoir un siphonnage trop important par les zones les plus urbanisées.
Donc pour le cas du Grand Reims, un des points que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est qu'il ait laissé la porte ouverte au conseil d'administration, au cas par cas, de pouvoir déroger aux règles là, qui vous ont été présentées tout à l'heure. Donc pour des cas qui sont très exceptionnels, je pense que ça pourrait être un cas que l'on pourrait... défendre, ou en tout cas présenter au conseil d'administration pour justifier en tout cas une mesure qui pourrait concerner le Grand Reims. Mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse travailler ensemble à établir un projet ambitieux, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas saisir le conseil d'administration au cas par cas sur telle ou telle tranche de travaux, mais peut-être avoir un programme ambitieux 2021-2022 de travailler sur notamment la gestion quantitative, l'interconnexion, les travaux sur les réseaux AEP hors réseau de distribution, parce que la collectivité reste éligible, mais peut-être de pouvoir présenter un programme ambitieux sur ces territoires-là à l'appui d'un projet du Grand Reims qui permettrait en tout cas de justifier une dérogation particulière ou en tout cas un regard particulier du comité de bassin et du conseil d'administration. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille sur la mise en place d'un projet un peu global qui donne un peu de perspective et que l'on soit sûr d'engager d'ici la fin d'année 2022. Je pense que ce serait un projet qui pourrait, je pense, être reçu ou en tout cas examiné avec bienveillance par le conseil d'administration. Oui, je complète à nouveau, M. Bedelem. C'est vrai qu'au dernier conseil, on a évoqué les exceptions qu'on pouvait bien sûr éventuellement traiter. Et moi, je propose, c'est pour compléter la remarque de M. Bedelem, qu'il y ait une intervention, enfin une réunion rapide avec vos services pour bien travailler sur le dossier. Je ne sais pas si ça fait suite à mon mail que j'ai fait à votre directeur, mais s'il faut travailler sur le dossier très rapidement, je pense que j'invite tout le monde à se mettre autour de la table, parce que le temps passe très vite, nous sommes déjà fin de l'année, mais je pense qu'on pourra, tout cas personnel, je suis prêt à défendre le projet au niveau du conseil d'administration. Bon, il va changer, parce qu'il va changer la prochaine, je ne sais pas si j'y serai encore, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait être le relais vis-à-vis du conseil pour défendre le cas, je dirais, exceptionnel du Grand Reims. Alors, très bien, je vous propose d'aller un petit peu plus sur des questions un peu plus précises qui nous reviennent notamment du chat. Alors une question assez précise sur les mesures Covid au niveau des boues. Les mesures Covid peuvent-elles financer les analyses sur boues pour vérifier l'absence de virus avant épandage pour des installations qui ne sont pas soumises à l'obligation d'hygiénisation? Question, il me semble, du CIVC. Monsieur Capi. Oui, alors le dispositif présenté par Daniel Bedelem tout à l'heure concernait les eaux usées. Donc on est sur une problématique sanitaire avec un impact, on va dire, réel, en temps réel, que l'on peut vérifier en temps réel sur l'évolution du Covid. Donc c'est pour cela qu'il est choisi d'accompagner les collectivités dans ce sens. Par contre, pour la partie boue, il n'est pas envisagé, du moins, d'accompagner les collectivités sur les analyses, puisqu'on est on n'est pas sur la même problématique, hein, de temps de réponse. Donc voilà, donc c'est le choix qui a été fait par l'Agence de l'eau, c'est Normandie, en tout cas pour l'instant. Voilà. Merci. Une question, alors peut-être à Fabrice ou à Monsieur BDM, dans le cadre du plan de relance, y a-t-il des taux bonifiés pour les cours d'eau et les zones humides? Alors, dans le cadre du plan de relance, donc Daniel Bedelem vous l'a présenté tout à l'heure, on avait dans le tableau, sur le bas du tableau, les lignes concernant les cours d'eau, notamment sur la partie rétablissement de la continuité écologique, où on a mis en place des bonifications de taux d'aide de 80 à 90% pour les cours d'eau. Cette bonification existait déjà dans le deuxième programme pour les opérations qui étaient comprises dans un contrat de territoire eau et climat. Mais désormais, grâce au plan de relance, on l'ouvre également aux autres cours d'eau qui ne seraient pas concernés par un contrat de territoire eau et climat à ce titre. Et puis nous avons également ouvert pour le rétablissement de la continuité écologique pour les ouvrages de navigation, où nous aidions à 60% et nous aidons actuellement, enfin, grâce au plan de relance, à 80%. Voilà. Alors, merci. Moi, je compléterai justement, j'en profite pour vous dire que effectivement, il y aurait aussi dans le plan de relance un certain nombre d'interventions au niveau des agences de l'eau au titre de la biodiversité.
Ça serait d'un niveau de 3 millions d'euros à l'échelle du bassin. On n'a pas encore aujourd'hui d'identification claire de sur quoi on pourrait financer, quelles sont les thématiques et les dossiers qu'on pourrait financer. Donc voilà, il y a aussi dans ce plan de relance, il n'y a pas que des questions de collectivité et de petits cycles de l'eau. Alors une dernière question qui concerne aussi Fabrice ou Monsieur BDM, c'est l'agence pourrait intervenir pour réduire les émissions de plastique dans l'environnement. Est-il possible d'en savoir un peu plus sur ces questions de réduction des émissions de plastique dans l'environnement? Oui, alors il y a deux réponses à apporter à cette question. Il y a les macroplastiques et les microplastiques. La question sur les macroplastiques, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un dispositif de soutien spécifique qui a été mis en place dans le cadre du plan de reprise qui permettrait d'intervenir pour les collectivités qui souhaiteraient mieux collecter, mieux récupérer et valoriser, si c'est possible, les déchets plastiques qui pourraient être récupérés sur les réseaux, c'est-à-dire la collecte des plastiques par des dispositifs appropriés avec des équipements et les études qui préalables pour les dimensionner correctement, qui permettraient de récupérer au mieux tous les rejets un peu sauvages qu'il peut y avoir ou les arrivées accidentelles de plastique dans les réseaux que l'on retrouve aux stations et que l'on pourrait, on pourrait piéger en partie sur les réseaux amont et également sur les réseaux pluviaux, parce que ces émissions de macroplastiques, on les observe aussi sur des réseaux pluviaux qui, eux, ne passent pas forcément par les stations d'épuration. Donc il y a des dispositifs amont à imaginer, donc ça va de la conception jusqu'à la mise en place des équipements. Et puis jusqu'à l'arrivée à la station, puisque généralement à la station, les déchets plastiques sont récupérés, intégrer peut-être cette démarche-là dans une démarche d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de récupérer, peut-être faut-il aussi en tout cas imaginer la valorisation de ces produits comme on le fait sur les déchets ménagers habituels. Donc il y a ce volet collecte sur les réseaux, et il y a le deuxième qui est la collecte sur les rivières ou les fleuves. Alors il y a eu quelques essais sur notre territoire par le passé. Je pense qu'il y a une piste à creuser pour imaginer des dispositifs de piégeage, de récupération, etc. Et là, je pense qu'il faut faire preuve d'imagination. On est vraiment dans l'expérimentation, parce qu'on voit bien les difficultés que ça peut présenter, de piéger ou de récupérer des flottants en période de crue ou avec des embâcles ou avec des bois et des flottants, enfin, etc. C'est assez compliqué. Donc, il y a peut-être à imaginer des dispositifs ingénieux de récupération, de piégeage. Alors, il en existe au niveau international, mais là, je pense qu'il faut faire travailler la recherche et l'imagination pour imaginer de piéger ces flottants, d'autant qu'on est on est plutôt en tête de bassin, avec des cours d'eau à débit modéré, je dirais. Et donc ce type d'équipement peut avoir tout son sens et être très efficace. Bon, voilà, donc on est plutôt dans un dispositif pré-expérimental. Ça peut aller de la recherche jusqu'à la mise en place de ces équipements, sans parler de l'incitation, la formation, l'accompagnement. C'est-à-dire que derrière ce type de projet qui pourrait être porté par une métropole, une communauté urbaine ou une ville, on pourrait imaginer un dispositif de formation, d'accompagnement, d'incitation qui pourrait être utilement être mis en place simultanément à des investissements. Donc ça, c'est plutôt sur le volet macroplastique. Alors maintenant, dans le projet innovation dont on parlera tout à l'heure, il y a également un volet spécifique sur la récupération des microsubstances que l'on trouve dans les eaux en sortie de station d'épuration. Donc au-delà des polluants classiques que l'on connaît, des résidus de médicaments et autres, il y a également des microplastiques qui sont en solution. Même si l'eau paraît parfaitement épurée, on retrouve encore des microplastiques dans les effluents. Et donc là aussi, dans le cadre du projet, mais là plutôt innovation, là on est plutôt dans un dispositif de recherche-action, il pourrait être imaginé, la mise en place est soutenue par l'agence, des dispositifs de piégeage de ces microplastiques en sortie de station d'épuration. Alors ça existe au niveau national sur des grosses stations d'épuration qui se trouvent en milieu marin, c'est-à-dire celles qui sont sur le rivage, de façon à pouvoir les piéger et éviter leur impact sur la faune. Jusqu'à présent, à notre connaissance, il n'y en a pas sur des stations d'épuration terrestres, je dirais. Et donc là aussi, je pense qu'il y a peut-être, mais là on est plutôt dans un dispositif recherche-action, à imaginer, en tout cas des collectivités pourraient se saisir de ce sujet
pour en faire un projet de développement de traitement tertiaire, je dirais, ou de traitement complémentaire en sortie de station d'épuration, justement pour piéger ces microplastiques. Donc il y a peut-être effectivement une place, une réponse à l'appel à projet innovation sur voilà, ces questions sur les microplastiques, s'appuyer sur l'appel à projet qui est déjà ouvert là, avec des taux d'aide qui sont quand même très conséquents. Et puis sur les macroplastiques, là aussi il y a un taux d'aide qui a été, en tout cas des aides qui ont déjà été actées, en tout cas le programme de l'agence a déjà été modifié pour tenir compte de ces projets. Donc là aussi pour l'instant nous n'avons pas été sollicités, on sait qu'il y a quelques projets en réflexion, certaines collectivités nous ont contactés, on est plutôt en sujet en maturation. Simplement ne pas attendre trop longtemps puisque le calendrier du plan de reprise, du plan de relance, il est contraint. Si on doit passer par l'élaboration de recrutement de maîtres d'œuvre, de dimensionnement de projet, d'appels d'offres, etc., on perd vite plusieurs mois. Donc n'attendez pas trop si vous avez des idées de ce type de vous manifester ou en tout cas qu'on puisse bâtir le projet avec les collectivités intéressées dans les mois qui viennent. Alors merci de vos réponses. Vous allez peut-être pas nous croire, mais ça fait une particulièrement bonne introduction pour la suite de notre programme. Alors je voulais juste terminer pour conclure que c'est quand même le début de ce plan de relance. Hein. La mise en œuvre de celui-ci n'est pas finie. Et donc j'imagine que dans d'autres instances du type de forum, on discutera de retour d'expérience. Hein. Et je pense que au niveau des gens qui vont bénéficier de nos aides et au niveau de l'agence, on a encore besoin de discuter pour essayer de soutenir et d'avoir un plan de relance des plus ambitieux et des plus efficaces. Voilà, je vous remercie tous. Si vous avez d'autres questions qui concernent ce sujet-là, le chat n'est pas fermé, donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous envoyer des mails ou contacter les services de l'agence qui seront à vos services pour effectivement vous répondre par rapport à ces questions sur les plans de reprise, les plans de relance ou les mesures d'urgence. Voilà, nous allons entamer le deuxième temps qui va parler de l'innovation au cœur de la politique de l'eau. Et nous allons inviter à présenter à deux personnes qui sont en visio, en direct, depuis le siège de l'agence à Nanterre, Lydia Prouvé et Agnès Carlet, à nous parler l'une après l'autre des appels à projets, des différents appels à projets de l'agence au niveau de l'innovation. Ça doit être Lydia Prouvé qui va commencer, qui est chargée de mission plan de relance au niveau de la direction du programme et des interventions à l'agence de l'Océan Normandie, donc au siège à Nanterre. Donc Lydia Prouvé, c'est à vous d'intervenir, si vous nous entendez. Oui, je vous entends très bien. Et je vous dis à tous bonjour. Et je vais partager mon écran pour cette présentation. Les introductions ont déjà bien été faites pour à la fois vous présenter ce premier appel à projet qui fera l'objet en fait de deux autres appels à projet qu'Agnès Carlier va vous présenter par la suite. Donc, l'appel à projet innovation pour la gestion de l'eau, celui que je vais vous présenter, concerne spécifiquement la transition numérique et l'économie circulaire. Alors, transition numérique, c'est tout ce qui concerne en fait les outils informatiques qu'on va rendre interopérables pour aider le fonctionnement et l'aide à la décision. L'économie circulaire, l'objet, c'est bien évidemment de réduire au maximum les ressources vitales, l'eau, mais aussi toutes les matières dont on a besoin, et au maximum penser à leur recyclage. Donc, l'appel à projet innovation a été en fait à l'origine des discussions des instances du conseil d'administration et du comité de bassin lors de la validation du plan de reprise et des adaptations dans le cadre du plan de relance. L'idée étant qu'on intervient spécifiquement dans le domaine du petit cycle pour les sujets donc assez classiques de l'agence. Et l'idée était d'engager en fait l'ensemble des acteurs sur des projets d'avenir. Donc, ces appels à projets accompagnent, si l'on veut, le plan de relance. Il poursuit toujours nos mêmes objectifs, bien évidemment, l'amélioration qualitative et quantitative de l'eau et des milieux aquatiques. Cet appel à projet se veut particulièrement ouvert à tous les types de collectivités, les entreprises, les associations, et c'est une enveloppe de 15 millions d'euros qui est dédiée. Taux de subvention pour cet appel à projet au maximum de 80%, une attention particulière aux activités économiques qui doivent s'adapter aux règles de l'encadrement communautaire, c'est assez classique.
L'ouverture de l'appel à projet a été lancée donc le 2 novembre sur notre site internet et la date de limite de dépôt des candidatures sera le 30 avril pour une commission que l'on vise vers juillet, parce qu'on a toujours des commissions des aides vers juillet, qui sera pour l'occasion ouverte à différents experts pour apprécier en fait l'ensemble de l'innovation des projets. Comme M. Bédelem vous l'a dit, en fait, c'est un appel à projet qui se veut à la fois ouvert à la R&D, c'est-à-dire vraiment à la recherche et développement, comme à l'action, c'est-à-dire déjà des dispositifs qui pourraient être développés sur le territoire et à la fois des études. Il a été construit selon 4 axes. Le premier, c'est celui de la station d'épuration du futur. On se projette avec ce qu'on appelle l'intégration de l'ensemble des technologies dites smart, c'est-à-dire qu'en fait, pour rendre plus efficace la gestion d'un dispositif d'assainissement, on va interconnecter à la fois des outils de métrologie, de débitmétrie sur les cours d'eau, notamment on se projette dans le cas de débits d'étiage qui seront de plus en plus importants, à la fois une connaissance à la fois des niveaux de traitement pour être toujours en adaptation entre les niveaux de traitement attendus dans le milieu, les baisses de débit et l'amélioration du fonctionnement. Ensuite, on a tout ce qui va concerner la valorisation de la matière sous toutes ses formes. On connaît donc à l'issue de l'épuration les boues qui contiennent encore de l'azote et du phosphore. L'idée, c'est de procéder en fait à se projeter sur des solutions un peu plus d'avenir pour poursuivre en fait la valorisation de la matière. On a la valorisation des substances contenues dans les effluents. Donc là, on pense éventuellement à des substances qui pourraient avoir un intérêt dans leur recyclage, ce qu'on appelle les substances à valeur montante. On a bien évidemment la valorisation des eaux traitées, toujours au niveau de la station, au niveau du local. Comment on peut réutiliser cette eau traitée, toujours dans des solutions que l'on souhaite un peu innovantes, différentes, ou s'inspirer de ce qui peut exister ailleurs pour pouvoir l'implanter sur notre bassin. La réduction des micropolluants, la réduction des nanodéchets et microplastiques, M. Bédelem vous en a parlé, et la récupération de l'urine à la source en vue de sa valorisation. Alors là, l'urine, en fait, on est dans le cadre typique de la valorisation d'une ressource. Localement, on a de l'azote et du phosphore, c'est naturel et moins coûteux que la production d'engrais chimiques. Les réseaux intelligents, c'est toujours, on est sur le même concept. On va inventer des outils dans lesquels, en fait, on va intégrer l'ensemble de la connexion, que ce soit encore dans la notion de débitmétrie, dans la notion de système prédictif qui pourrait à la fois associer du coup la connaissance de fortes précipitations pour au mieux gérer le fonctionnement des réseaux et la gestion, notamment qu'on pense par temps de pluie, avec des phénomènes qui risquent de s'intensifier dans l'avenir. La gestion patrimoniale des réseaux, là aussi, c'est encore une fois un outil qui permet d'avoir une meilleure connaissance de son patrimoine, de sa durée de vie, de son contexte dans lequel il est localisé, la détection précoce des fuites, Monsieur Marginier en a déjà parlé, que l'on peut aussi combiner avec des systèmes aussi de prédiction dans le cadre des niveaux de piézométriques en fonction de la source de la ressource. Et l'ensemble aidant en fait à gérer le renouvellement, comme ça a été dit. On peut aussi avoir, dans le cas de l'assainissement notamment, puisque la gestion patrimoniale s'intéresse autant à l'eau potable qu'à l'assainissement, le suivi en contrôle continu de la mise en conformité. On pense aussi à ces outils de manière à ce qu'ils soient aussi partagés. Notamment, on pourrait penser entre les services urbanistes et les services assainissement, qui est un moyen en fait, de suivre cette mise en conformité. L'optimisation économique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une bonne connaissance de comment on gère le patrimoine, comment on doit programmer son renouvellement, comment on associe une vision budgétaire comptable adaptée pour au mieux organiser ce renouvellement. C'est aussi encore des outils numériques, des applications qui permettent au mieux la gestion. Enfin, la collecte et la valorisation des déchets flottants. C'est ce dont vous a parlé M. Bédelem, dans l'objectif de
les récupérer avant leur rejet au milieu, toujours dans, dans une cible qui concernera une communication auprès du grand public, l'analyse des déchets qui pourraient être effectués au moment de la collecte, que ce soit entre déchets plastiques, mégots ou autres. On peut avoir une information du grand public sur le sous-bassin versant concerné dans un objectif de les aider en fait, à leur réduction. Ensuite, le troisième axe est celui qui concerne l'éco-efficience des procédés industriels. On est toujours dans cette logique de valoriser au maximum les produits secondaires d'une transformation industrielle, dans la logique aussi de concentrer les substances à valeur montante, c'est ce qu'on disait en fait au niveau des dispositifs, mais on peut aussi avoir tout simplement la réutilisation et la valorisation notamment d'huile liée à différents process. La réutilisation des sous-produits de l'épuration, les eaux épurées, les eaux pluviales, ça c'est plus connu, mais on peut aussi les développer sur une logique d'un site complet industriel associé à la collectivité. On pense la réutilisation sur le territoire. Et lorsqu'on entend le développement d'approches territoriales de type écologie industrielle, là, on pense tout simplement à la valorisation, la réduction de la source sur des sites proches, locaux, pour permettre en fait au mieux la valorisation et la réduction de la ressource. Un dernier axe est celui du numérique au service de l'aide à la décision, au partage de l'information. On est sur des outils collaboratifs, de partage d'informations qui vont aider à se positionner et aider à la décision. On peut, à titre d'exemple, on peut donc se positionner sur une nappe, sur une aire d'alimentation de captage ou le système ou un système de distribution. On va essayer d'identifier que ce soit la nature de la qualité, la nature des prélèvements, la nature donc du niveau de la ressource, à la fois en se projetant éventuellement dans un contexte de risque quantitatif. J'appelle l'attention sur cette notion de collaboration, c'est-à-dire d'avoir une connaissance partagée, par exemple, entre les collectivités, les services de l'État, pour partager l'information des prélèvements réguliers, les mises à jour, que ce soit en fait une façon d'être ensemble autour de la connaissance d'une nappe ou d'une aire d'alimentation de captage pour favoriser ensemble les actions à mener. Un outil aussi qui peut s'approcher du premier, mais qui se positionne déjà d'entrée sur un diagnostic de vulnérabilité des systèmes d'eau et d'assainissement dans le cas donc de à la fois soit de situation de sécheresse, à la fois de situation d'inondation, voire de tempête, qui fragilise les dispositifs. On se projette selon des différents scénarios et on s'adapte en fonction des conséquences pour se projeter un petit peu dans l'idée de la protection de ces dispositifs. Voilà, j'en ai terminé. L'ensemble des informations sur le site sont sur le site de l'agence et je passe immédiatement la parole à Agnès Carlier. Carlier, que je n'ai pas présenté, donc est chef du service gestion des ressources en eau et agriculture à la direction des programmes et des interventions au siège de l'Agence de l'eau également, et qui va nous parler effectivement d'autres types d'innovations. Merci Agnès et merci Lydia de ta présentation. Vous pouvez poser des questions, je vous invite pour ces deux personnes à rester avec nous et effectivement elles pourront répondre à des questions éventuellement également à la table ronde. Mais Agnès, à toi de parler. Merci, bonjour. Vous voyez le diaporama ? Je peux démarrer, il est à l'écran ? Le voici. On le voit. Je le vois apparaître. Alors, je me lance. Je vous remercie. La distinction à faire entre la présentation que vous a fait Lydia et puis la mienne, là maintenant, c'est que les appels à projets que je vous présente, moi, ne sont pas passés en conseil d'administration. Et donc, autant sur la première partie, c'est maintenant qu'il faut répondre, autant ici, c'est work in progress, vous le verrez sur une des diapos, c'est-à-dire qu'on est en train de monter l'appel à projet. Donc, ce que j'attends de vous, c'est des idées éventuellement pour enrichir nos appels à projet. Il est encore temps de le faire. Voilà. Ce sera en effet présenté pour ce qui est du le premier appel à projet et adaptation de l'agriculture au changement climatique. Il sera présenté en conseil d'administration au mois de mars. Donc, d'ici là, alors peut-être pas de février, on sera quand même déjà un petit peu lancé, mais en tout cas, au mois de décembre et janvier, on peut prendre des idées nouvelles. Je vous alerte, ça a été évoqué, le plan de relance agriculture, il est
entre les mains du ministère de l'Agriculture et il y a beaucoup d'argent qui va être là, mis notamment sur des investissements agricoles. Donc, notre appel à projet, il se trouve une place à côté de ces plans de relance-là et à côté de ces appels à projet ministère de l'Agriculture. Donc, évidemment, on adaptera les idées en fonction de ça. Et tous les dossiers qui seront présentés à l'appel à projet seront pour des projets à faire avant le 31 décembre. Alors, assez vite, moi aussi, j'ai des diapositives un petit peu rébarbatives et indigestes, mais c'est pour que vous les gardiez et que vous ayez en fait tous ces éléments-là pour pouvoir réfléchir. Mais moi aussi, j'ai 4 axes et très originalement, on a vraiment bâti les choses de la même façon pour que ce soit cohérent. Et ces axes se divisent évidemment, comme toujours, les études d'une part et puis les investissements d'autre part. Donc, 4 axes. Avec le premier qui est vraiment maintenir et développer l'élevage extensif. On a besoin de l'élevage extensif pour protéger nos captages, vous le savez, et on a constaté cette année que l'élevage à l'herbe a beaucoup souffert, même quand on est sur des prairies permanentes, même quand on fait des rotations, etc. La sécheresse, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre, extrêmement difficile de maintenir les troupeaux. Donc, pour cette coévolution, on a vraiment besoin d'aider les éleveurs à l'herbe. Donc, études d'une part, comment est-ce qu'on fait pour adapter les élevages, pour adapter les races, pour adapter les fourrages, etc. Et investissement, alors là, vous avez bien vu qu'on a mis 3 petits points. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dans le programme puisqu'on est sur un appel à projet, y compris des abreuvoirs, aller jusqu'à l'abreuvoir, les haies fourragères parce qu'on pense que c'est une solution, le sylvopastoralisme, etc. Je passe très vite à l'axe 2 qui est comment est-ce qu'on fait pour développer les activités agricoles économes en eau et également à bas niveau d'intrants. On croise le quantitatif et le qualitatif. Donc, à nouveau, études, expérimentation et puis investissement, si on a des idées d'investissement, mais qui peuvent aller très à l'aval. Là, pour le coup, dans notre programme aujourd'hui, il nous faut vraiment un lien aux parcelles pour aider les filières. Ben, dans cet appel à projet, on pourrait aller plus loin si un industriel nous propose quelque chose d'innovant, de recherche innovante pour savoir comment est-ce qu'on met du chanvre dans un procédé industriel alors que le chanvre est quelque chose d'extrêmement peu demandeur en intrants, on pourra l'étudier. Troisième axe, la protection et la restauration des sols agricoles. Le comité de bassin et la commission milieu naturel est très très regardante sur cette restauration de la biodiversité des sols. Et donc là, on est plutôt dans de la connaissance, mais dans de la recherche. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour enrichir nos sols en matière organique et pour bien connaître la biodiversité de nos sols et son impact. Et puis l'axe 4, qui est beaucoup plus numérique. Là, on se rapproche du numérique qu'on vous a déjà présenté. Et ce qu'on voudrait mettre en avant pour l'instant, c'est comment est-ce que les collectivités peuvent, enfin, sur quel outil elles pourraient s'appuyer pour arriver à mêler les différents services de l'intérieur de la collectivité avec l'aménagement du territoire, les outils d'urbanisme, mais aussi les outils de protection de la ressource, protection de l'environnement, et puis les outils économiques, de développement économique des territoires, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui serait qui engloberait tout ça et qui serait un processus d'aide à la décision pour les nouvelles stratégies de maîtrise foncière qui existent aujourd'hui et qu'on demande de développer aujourd'hui. Voilà pour ce qui est de l'appel à projet agriculture. Je vais aller beaucoup plus vite sur mon appel à projet milieu résilient parce qu'il est encore plus work in progress, c'est-à-dire qu'il est... Voilà, il est ouvert pour l'instant aux propositions avec quand même une proposition de site pilote sur les ORE, obligations réelles environnementales, c'est-à-dire qu'on voudrait travailler le long des rivières. Alors, vous savez que le long des rivières, ça a beaucoup, beaucoup de conséquences. De travailler à renaturer le long des rivières, ça a beaucoup de conséquences sur ce qu'on appelle la zone humide ordinaire, mais aussi sur la protection contre les crues, la réalimentation des nappes, etc. Donc, c'est sur ce fond de vallée qu'on voudrait trouver des sites pilotes pour voir si on peut arriver à développer ce principe d'obligation réelle environnementale qui sont des systèmes de contractualisation avec les propriétaires pour renaturer les rivières et renaturer toutes ces lits majeurs en définitive. Donc, on a déjà des gens qui se sont manifestés et qui feront partie pour l'instant de groupes de travail pour savoir comment est-ce qu'on peut développer ces projets de sites pilotes sur l'ensemble du bassin.
Alors, ne me demandez pas qui sont les personnes qui se sont... Mais toutes ces structures se sont déjà manifestées et on est en train d'organiser des doodles. J'espère que vous ne me demanderez pas de nom parce que je ne sais pas qui sont les noms dans les structures. Mais en tout cas, toutes ces structures feront partie de notre, de nos 6 pilotes et de notre comité de pilotage. Et enfin, un tout petit mot sur l'appel à manifestation d'intérêt sur les PSE. Les PSE, c'est le paiement pour service environnemental. Vous savez qu'en agriculture, en particulier en protection des captages et en protection de la biodiversité, on a développé un appel à manifestation d'intérêt en réponse à la nouvelle loi biodiversité qui demandait aux agences de développer ce système de paiement pour services environnementaux. Et donc, on a une expérimentation qui a pas mal fonctionné. La différence entre ce qui existe aujourd'hui, les mesures agro-environnementales avec les agriculteurs, c'est qu'on n'est plus du tout sur une compensation d'un manque à gagner, mais on est sur une transaction volontaire avec un client qui veut son service environnemental rendu et un fournisseur, client, je mets des guillemets bien entendu, et un fournisseur, en l'occurrence les agriculteurs dans notre expérimentation, qui rend ce service. Mais ça veut dire qu'il peut démontrer que ce service est rendu. Donc on a beaucoup travaillé, on a fait deux demi-journées très récemment d'ateliers avec tous nos porteurs de projets qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt. Et pour arriver à définir ensemble comment est-ce qu'on démontrait que le service est rendu, comment est-ce qu'il faut payer ce service rendu, comment on évalue le paiement, quels sont les curseurs, les indicateurs, etc. Et tout ça est dans cet encadrement, évidemment, au niveau européen. Et donc, l'encadrement de notre appel à manifestation d'intérêt, c'est la petite carte de France que vous voyez là en bas. C'est vraiment les 6 agences de l'eau qui ont lancé en parallèle ces appels à manifestation d'intérêt dans ce régime qui a été notifié à l'Europe et qui donc ensuite permettra de parler à l'Europe et de dire voilà, ce truc-là a fonctionné, à cet endroit-là, ça a fonctionné, donc pourquoi vous ne reprendriez pas ce paiement pour service environnemental dans vos réflexions sur le premier pilier et le verdissement du premier pilier de la politique agricole commune avec les éco-régimes que vous connaissez pour certains, mais sur lesquels je ne reviendrai pas, ce serait un peu long. Et donc, tout ça va nous permettre de développer des nouvelles surfaces en réduction d'intrants, en bio, etc. Et donc, fait le lien avec l'ensemble de nos aides dans le programme, les aides notamment au développement des filières, et des filières bio et des filières à bas niveau d'intrants, dont on pourra parler par la suite. Voilà. Et alors, parmi ces PSE, je suis allée dans le mauvais sens. Voilà tous les points en fait de PSE aujourd'hui. Et je crois qu'on va voir le film sur l'un des PSE. Je ne sais pas si on voit ma flèche, mais vous avez un PSE qui est dans la Manche, sur les marais, qui a fait l'objet d'un film que je crois nous allons passer là. Je reviendrai, je vous montre la diapo sans revenir sur l'ensemble des dossiers, mais pour le coup, je pourrais répondre à vos questions sur l'ensemble de ces petits points à droite et à gauche sur la carte. Mais pour l'instant, j'en reste là pour ne pas prendre trop de temps. Merci de votre écoute. Je vous remercie toutes les deux de vos présentations. Donc, vous voyez que l'innovation, c'est ouvert. L'innovation, c'est aussi sur des nouveaux outils qu'il faut mettre en œuvre. Agnès n'a pas eu le temps de vous parler des quelques expériences qui émergent, mais qui sont très intéressantes. On voit aussi beaucoup de gens qui se posent des questions, donc certainement vous en aurez. Il s'agit effectivement de tester des nouveaux outils pour arriver aussi à être plus efficace, puisque c'est ça qu'on essaye de faire. Donc, on va vous, pour être un peu plus concret, on va vous présenter un rapide film qui a été réalisé dernièrement sur une expérience qui se passe donc en aval du bassin, hein, dans la Manche, voilà, et qui est en construction sur la construction d'un paiement pour service environnemental. Il y a toujours eu cette activité d'élevage sur ces 30 000 hectares de zone humide. Le parc, c'est quand même 30 000 hectares. C'est 1150 exploitants agricoles. Et cette juxtaposition nature-agriculture fait que ça en fait un site unique parce que la biodiversité y est présente. L'élevage au marais se décline sur deux actions.
une première action qui est l'élevage extensif en zone humide et un prolongement de ces actions, mais qui se décline plus comme un outil que sont les PSE, les paiements pour services environnementaux. L'agriculteur est reconnu pour effectuer ses services environnementaux, que ce soit au niveau des haies, que ce soit au niveau des mares, que ce soit au niveau des prairies. Et ça redonne une fierté, une ambition au monde agricole de cette fois-ci de ne pas être accompagné à coup de subventions, mais dire, quand vous faites bien, on vous accompagne pour faire encore plus. En termes de contribution de l'Agence de l'eau, il y a une contribution qui varie de 50 à 80% en termes d'ingénierie. Sur les paiements aux services environnementaux, c'est 100% l'Agence de l'eau. La rémunération des services environnementaux, c'est l'outil de demain. Donc on l'expérimente, on va le mettre en place maintenant. Accrocher les agriculteurs à une idée nouvelle, ça n'a pas forcément été évident parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas faire facilement, c'est de donner une valeur à la biodiversité préservée. Ici, on produit en fonction de ce que le sol peut donner. Par exemple, beaucoup d'entre nous ont suspendu totalement non, mais ont réduit de façon drastique l'utilisation d'intrants de régime chimique, que ce soit des engrais, que ce soit des pesticides. On doit travailler là-dessus pour revenir à l'essence même, une eau en quantité de qualité, une agriculture préservée et une biodiversité largement préservée, voire retrouvée. Alors, un exemple concret, mais qui n'est pas effectivement très local par rapport à notre situation. On va aller maintenant parler un peu plus précisément d'un des sujets d'innovation qui nous importe beaucoup aujourd'hui. C'est essayer de dynamiser les systèmes, ce qu'on appelle les systèmes à bas niveau d'intrants, et notamment sur les captages pour protéger la ressource. Donc, je vais inviter Maurice Lombard et Daniel Bedelem à me rejoindre pour les derniers témoignages et la seconde table ronde. Ils seront rejoints par Pascal Gaillot en visio, normalement, et qui interviendra après les deux derniers témoignages. Donc, le premier témoignage, pendant que les gens s'installent, les derniers témoignages. Donc, le premier concerne le soutien à l'herbe de façon pérenne en s'appuyant sur une AOP, qui est l'AOP Brinmo. Donc, cette présentation sera faite par Alix Proudhon, qui est responsable d'équipe eau agriculture à la Chambre d'agriculture de la Haute-Marne et qui va nous parler donc pendant 15 minutes de ce projet. Alix, c'est à toi. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer la belle histoire qu'on est en train d'écrire avec le Brinmo sur les enjeux eau. Je suis accompagnée de ma collègue Jennifer Moreau, qui est notre experte élevage et qui a suivi le dossier. Donc, on nous a demandé de vous présenter du coup notre projet Ami Brinmo, qui est un projet qui a été soutenu par la région Grand Est et les trois agences de l'eau dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt en 2018 pour le soutien en filière favorable à la protection de l'eau. Et d'où l'enjeu, c'était de faire des actions sur des filières à haute valeur ajoutée et d'améliorer ou de maintenir la qualité de l'eau. Donc, la zone AOP, comme vous pouvez le voir, est assez vaste. Elle s'étend sur quatre grandes régions. Donc, au niveau du Grand Est, donc, nous avons les départements de la Marne, de l'Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse. Donc, sur le Grand Est, ça concerne 169 producteurs laitiers sur 209 producteurs qui sont engagés dans l'AOP Brinmo. Au niveau du cahier des charges, donc en fait, les brises existent depuis très très longtemps. Officiellement, la première reconnaissance date de 1980 en tant qu'appellation d'origine contrôlée. Et plus récemment, une officialisation au niveau européen et français en juillet 2020. Donc, le cahier des charges, il est relativement atypique du fait qu'il comporte deux itinéraires techniques. Un qui est plus lié à la région historique l'Île-de-France, avec une alimentation des vaches laitières basée sur les coproduits et les légumineuses. Et un second basé plus sur la région d'extension de l'AOP Brinmo,
plus basé sur des systèmes herbagers avec l'obligation pour les vaches laitières du pâturage. Donc, quel que soit le système, les producteurs doivent respecter des critères d'autonomie alimentaire et fourragère, ce qui implique pour eux de diversifier leur assolement et notamment de favoriser les cultures à bas niveau d'intrants. Donc, quand on a fait ce point sur le cahier des charges, on s'est dit que c'était très intéressant et que c'était un bon moyen pour valoriser les cultures à bas niveau d'intrants. Les équipes eau des départements concernés, on a regardé s'il y avait des enjeux eau identifiés sur le territoire de la OP Brinemont. Vous voyez là, sur la carte qui est projetée, le territoire est bordé de vert. Et dans ce territoire, vous avez des taches en violette qui représentent tous les enjeux eau identifiés. Alors, enjeux eau qui sont soit des aires d'alimentation de captage et ou des protections de captage périmètres rapprochés et éloignés. Donc, au total, sur le zonage, on a recensé une centaine d'enjeux eau d'enjeux eau. À noter qu'on est aussi sur deux bassins différents, le bassin Seine-Normandie et le bassin Rhin-Meuse. Au niveau historique, donc au niveau du service élevage, donc l'AOP, comme je vous le disais, date depuis très longtemps. Et une révision du cahier des charges s'est faite depuis un certain nombre d'années. Donc nous, au niveau de Marne, donc nous avons engagé les discussions et les échanges avec l'ODG depuis 2012-2013. Donc l'ODG qui est l'organisme de défense, de gestion et de contrôle du Brinemont et du Brinemelin. Ensuite, dans les années 2014 et 2015, nous avons mené des premières réflexions avec les éleveurs au Marnais sur la révision du cahier des charges et leur adaptabilité par rapport aux critères qu'il imposait. Et en 2016-2017, nous avons étendu nos échanges avec les collègues élevage des autres départements, notamment la Marne et la Meuse. Alors, en parallèle, la cellule eau de la Chambre d'agriculture qui s'appelle la MAP, donc Mission agronomique de protection des eaux, a été créée en 2012 et très rapidement, les deux agences de l'eau qui nous financent, donc Seine-Normandie et Rhin-Meuse, nous ont demandé de travailler sur les filières. Le premier travail que nous avons fait à l'échelle du département, c'est un diagnostic sur les filières bovines, laitières et viandes qui étaient sous signe de qualité. Nous en avons 5 sur le département, dont le Brinemont, et nous avons regardé la compatibilité des cahiers des charges par rapport aux enjeux eau. Ce travail fondateur nous a permis, en 2018, lorsque la région Grand Est et les trois agences ont sorti l'AMI filière sur les BNI, de travailler avec les collègues élevage. Et on considère que cet AMI a été un catalyseur en interne, mais aussi en externe. On viendra dessus par la suite avec Jennifer. Et en tout cas, ça nous permet encore également d'accompagner les producteurs à l'adaptation au nouveau cahier des charges, mais également de favoriser l'herbe et toutes les autres cultures BMI indispensables dans la réalisation du cahier des charges et de les repositionner sur les aires d'alimentation de captage ou les périmètres de protection. Donc, notre projet est innovant aussi par la multitude d'acteurs qui en font partie. Donc, là, vous voyez en fait sur la carte l'ensemble des partenaires que nous pouvons avoir. Donc, ils sont au nombre de 7 sur 4 départements. Donc, chaque partenaire a des connaissances et des compétences spécifiques. Donc, au niveau de l'élevage, ils sont matérialisés par la petite vache et au niveau des compétences eau, par la goutte d'eau. Alors là, on rentre très clairement sur comment on a fait pour rapprocher nos compétences qui, de première vue, pouvaient être lointaines. La première phase a été la co-construction avec tous les partenaires techniques du projet pour répondre à la filière. Donc, on était en 2018. Une fois que notre dossier a été validé, très rapidement, il y a eu des réunions qui ont été co-animées par les conseillers à la fois élevage et à la fois les animateurs captage. Et ces réunions regroupaient des producteurs de l'AOP et des agriculteurs qui étaient présents sur les captages. Donc, on a diversifié et multiplié les publics. En parallèle, les collègues de l'élevage ont mis en place un diagnostic technico-économique qui a permis de déterminer les besoins des producteurs pour l'adaptation au niveau du cahier des charges.
Il est ressorti de la synthèse de ces diagnostics qu'il y avait 2/3 des producteurs qui avaient des problématiques sur l'autonomie alimentaire, notamment de zones. Et au vu de ce constat-là, les animateurs captage ont été sollicités, les agriculteurs qui étaient sur les aires d'alimentation de captage, pour essayer de résoudre cette problématique d'autonomie pour les producteurs AOP. En parallèle, on a activé les dispositifs financiers classiques que l'on sait activer, c'est-à-dire les PCAE, donc tout ce qui est aide des investissements matériels et notamment en lien avec la gestion de l'herbe, et bien sûr les MAE sur les aires d'alimentation de captage. On a voulu vous faire un retour de nos partenaires techniques parce que c'est, enfin, l'ami Brinmo, c'est pas que la Chambre 52, il y a les 7 partenaires et ils nous ont envoyé des petits témoignages qu'on vous laisse découvrir. Globalement, ce qui ressort de ce projet-là, c'est que ça a permis de créer des synergies de groupe entre les conseillers des différentes structures. Pour les animateurs captage de pouvoir faire de la promotion sur la contractualisation des MAEC, en MAEC avec une filière dynamique derrière et une dynamique de filière également. Et au niveau des producteurs, ça a permis de donner des moyens pour faire des outils permettant de mesurer et d'accompagner la pérennisation des systèmes laitiers. Et dernier témoignage, celui de Madame Mellac, qui est élue à l'ODG, c'est vraiment que cette démarche a permis de mettre en conformité tout le monde, enfin tous les producteurs restant producteurs, tous les producteurs à l'ODG, pardon, tout en respectant l'environnement. Donc, nous avons aussi utilisé une mallette à outils dans laquelle on a été pioché. Donc, au niveau de la partie plus élevage, nous avons réalisé 93 diagnostics technico-économiques sur la zone Grand Est. Donc, ça fait plus de 50% des producteurs de la zone. En parallèle, nous avons organisé aussi des formations. Donc, on a fait appel à Vivea pour organiser ces formations. Nous avons réalisé de la communication, donc à la fois technique dans les journaux agricoles, revues locales, mais également nous avons créé une newsletter spécifique dans le cadre de l'AMI Brinmo, et pour laquelle nous avons fait appel aussi à un autre partenaire que sont les laiteries, qui ont diffusé en fait la newsletter à tous leurs producteurs laitiers de la zone, et la réalisation de journées techniques. Alors, nous, les outils qu'on a plus l'habitude d'employer dans le cadre de nos animations eau, on va dire, ce sont les MAE. À l'échelle du territoire, il y a eu plus de 1290 hectares qui étaient engagés en pré-contractualisation MAEC en 2019, donc avec des MAE en lien avec de la remise en herbe ou de la gestion de l'herbe. Et on a recensé sur 2018 et 2019 47 demandes d'investissement matériel par les producteurs en AOP, en fait, sur du matériel, sur la gestion de l'herbe. On a également initié des choses un peu nouvelles pour nous, c'est-à-dire la mise en relation entre nos producteurs et nos agriculteurs sur les AAC pour essayer de mettre en place des échanges soit culturaux, soit fonciers, et du coup de relocaliser l'herbe sur les captages. Donc, notre projet ne va pas s'arrêter maintenant. En fait, on veut qu'il soit pérenne et qu'il continue dans le temps. Donc, en fait, la Chambre d'agriculture régionale d'Île-de-France s'est greffée à notre projet. Donc, on a dupliqué le travail réalisé sur leur région. Donc, ils ont utilisé le diagnostic technico-économique pour l'accompagnement de leurs éleveurs. Et également utilisent les mêmes supports de formation puisqu'ils les dupliquent également chez eux et également pour la communication. Donc nous allons également poursuivre les formations sur l'ensemble de la zone pour les producteurs. Et nous avons aussi le projet d'organiser des journées dans le cadre d'un rallye AOP, le rallye AOP Brinmo, avec des thèmes techniques sur chaque département sur une semaine spécifique Brinmo. Journée qui a été reportée au printemps 2021. Alors nous, par rapport à l'eau, ce que je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est d'approfondir le travail sur les échanges culturaux et fonciers qui a été simplement initié.
Et on est prêt aussi à regarder d'autres outils. Alors, tout à l'heure, il a été évoqué les outils de paiement pour services environnementaux. On sait que l'ODG souhaiterait regarder la certification environnementale HVE. En lien avec les problématiques climatiques, on se dit qu'il serait intéressant de faire une étude de type Climalet pour voir si les systèmes sont pérennes dans le cadre du changement climatique. Et de manière plus globale, c'est d'utiliser la méthodologie mise en place dans ce cadre de cet appel à projet BRINMO pour d'autres filières au lait cru, par exemple. Alors là, on a voulu terminer la présentation par le témoignage de Martine Soudan, qui est à la fois productrice et élue à l'ODG. On vous laisse écouter son témoignage. On vous entend, on n'entend pas le film. On a un petit souci technique de changer d'écran. Si vous voulez, on peut le passer. Si ça, oui, si on va vous le lancer. On reprend la main. Personnellement, il y aura deux grands défis à relever. Il y aura un défi environnemental parce que la pression du consommateur est là, elle demande des produits produits sainement et en limitant au maximum les intrants. Et un défi climatique parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un changement climatique qui s'accélère et qui de toute façon sera inévitable. Le problème le plus important va être de sécuriser notre système. On s'aperçoit qu'on est arrivé au bout de la culture du maïs. Elle a connu son heure de gloire, mais aujourd'hui il nous faut trouver d'autres solutions. Ça peut passer par l'implantation de nouvelles cultures, association de différentes cultures qui sont complémentaires. Ça passe aussi par une meilleure utilisation de l'herbe. On a toujours considéré l'herbe comme un acquis. Ça a poussé sans avoir besoin de plus de soins que ça. Or, l'herbe, c'est une culture à part entière. Et il faut qu'on se remette dans cette position-là, de la cultiver et de la récolter à son meilleur terme pour avoir une meilleure utilisation au niveau du troupeau. Ça passe aussi par l'échange entre les éleveurs. Aujourd'hui, il me semble indispensable de pouvoir échanger et de pouvoir mettre en place des actions en commun aussi. Pourquoi pas, des synergies qui peuvent se trouver entre éleveurs et aussi, pourquoi pas, céréaliers, parce que les céréaliers ont aussi leurs problématiques, qui, par exemple, les rotations trop courtes. Mettre en place des synergies entre éleveurs et céréaliers peut leur permettre d'allonger ces fameuses rotations et nous, de nous apporter une sécurité alimentaire. Alors, merci pour ce témoignage. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter après ce témoignage? Ouais. On voulait juste vous dire qu'on se tenait à votre disposition avec Marion Grandmougin, qui est la nouvelle animatrice du projet. Et puis, on aurait bien sûr aimé partager avec vous une part de BRINMO, mais vu les conditions, ça sera un peu compliqué et on remettra ça ultérieurement. Merci. On n'a pas pu diffuser l'odeur sur place, malheureusement. Bon, malgré tout, et je m'excuse parce que j'ai oublié d'identifier Jennifer Moreau, hein, qui est la conseillère élevage de la Chambre. Donc, je vous remercie pour ce témoignage. On est un petit peu en retard, alors on va avancer. Je vous serais gré de rester avec nous également si vous avez d'autres questions. Donc, on va entamer un autre témoignage, un trio sur la question de la structuration de la filière de champagne biologique, avec une question d'innovation organisationnelle, on va dire, en termes de coordination.
Donc, je passe la parole, pardon, excusez-moi, à Étienne Etnaud, qui est responsable vin et vin au centre vinicole Nicolas Feuillatte. Jérôme Blin, qui est viticulteur bio, référent Grand Est de l'association des champagnes bio. Et puis Peggy Sebest, qui est responsable de la cellule eau de la protection de la ressource à la direction de l'eau de la communauté urbaine du Grand Reims. J'espère ne pas m'être trompé dans cet ordre-là, je pense. Donc je passe la parole à Monsieur Etnaud, c'est ça? Je crois comme que c'est Monsieur Blin qui commence, mais. Eh bien, Monsieur Blin, dans ce cas-là. Je veux bien commencer, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous entend, allez-y. Oui, d'accord. Donc, Monsieur Blin-Jérôme, donc, référent Bio Grand Est, ACB, Association des Champagnes Bio, pour le projet AMIDE, structuration de filière Champagne Bio. Donc, le sujet à propos des systèmes à bas niveau d'intrants. Le constat a été fait en 2016 sur la Velle Marnaise l'agriculture biologique qui était à faible intrant en fin de compte n'était pas structurée. Beaucoup de vignerons ne connaissaient pas du tout ou très peu la manière de valoriser leurs raisins et donc il y avait un manque, il s'est avéré qu'il y avait un manque de structuration de la filière. Et donc, à partir de ça, il a été mis en place en 2018, par l'intermédiaire de Mathilde Le Traou, une stagiaire, ce constat. Et donc, le but a été… Oh, pardon, vous m'entendez toujours? Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, allez-y. Le but a été de structurer un peu la filière. Et donc, en juin 2019, en réponse à l'AMI, a été faite on a recruté une nouvelle personne, donc Justine Knud, qui en 2019 a donc été recrutée pour mettre en place cette filière. Donc, le but était d'accompagner en fin de compte les viticulteurs pour lever les freins à la conversion, pour aller vers l'agriculture biologique. Et c'est ce qui a été fait à travers différents projets, donc animation de vignes bio ouvertes, dont les viticulteurs étaient demandeurs, et ce qui leur a servi à dédramatiser et lever les freins psychologiques qui les empêchaient d'aller vers la viticulture biologique. Et après, c'était d'établir également, de structurer la filière pour valoriser les raisins, puisque c'était aussi un point qui bloquait, c'était le problème de valoriser, de trouver une filière pour effectivement vendre ses raisins. Et c'est ce qui était un point de blocage également. Et donc, à travers ces différentes actions, progressivement, on voit qu'il y a une évolution des conversions en viticulture bio. Par exemple, sur les sources de l'Orab en 2019, on a vu une progression dans la Marne de 30% des conversions en viticulture bio. Donc, on est sur une dynamique assez, assez importante. Et donc, on peut envisager cette même dynamique en 2020, vu le nombre de conversions que l'on voit et le nombre d'adhésions qu'on a à l'association des champagnes bio. Et la finalité, après, c'est de toutes ces conversions, c'est en fin de compte de les accompagner et d'amener tous ces viticulteurs à travers un maillage aussi de la Champagne et trouver des filières de valorisation de tous ces raisins bio qui vont arriver sur le marché. Et donc là, à partir de là, je pense que c'est un travail collectif. Donc après, les différents acteurs qui rentrent dans ce projet, donc, que je n'ai pas cité, donc il y a Bio en Grand Est, il y a la CB, il y a l'agence Eau Seine-Normandie, Nicolas Feuillatte, l'Union Amboise, le Grand Reims, la distillerie Jean Goyard. Donc tous ces acteurs font en sorte que on va trouver des débouchés et organiser une filière qui va permettre de favoriser encore ce dynamisme. Donc après, sur ce point-là, je vais donner la parole à Étienne, puisqu'il représente la coopérative Nicolas Feuillatte. Et donc, pour la structuration de la filière, il est le premier à pouvoir en parler.
Merci. Je vais partager le diaporama. Est-ce que vous le voyez ? Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. On va... Voilà. Donc, vous retrouvez sur... voilà. Bonjour à toutes et tous. Vous retrouvez sur cette diapositive les différents acteurs de la filière. C'est un écosystème assez original d'acteurs qui s'est réuni autour de cette thématique bio avec un objectif, bien sûr, c'est d'améliorer la qualité de l'eau sur notre territoire. Parce que l'enjeu, c'est de travailler de manière assez ciblée sur les aires d'alimentation de captage. Donc, vous voyez de haut en bas, Grand Reims, Épernay Agglo et l'Union des services des eaux sud de l'Aisne. Ces acteurs sont présents dans la filière et actifs en termes de communication et de sensibilisation, que ce soit des exploitants et également de la population en général. Sur la ligne du dessous, vous retrouvez les acteurs spécifiques au niveau du bio, Bio en Grand Est, l'ACV et la Chambre d'agriculture qui sont là notamment pour accompagner le tissu d'adhérents, le tissu d'exploitants viticoles dans la conversion, que ce soit sur la partie administrative pour l'ACV et Bio Grand Est et sur la partie plutôt technique sur l'agriculture. Et enfin, vous retrouvez quatre acteurs en bas de l'écran, donc le Centre Vinicole Champagne-Nicolas Feuillatte, Union de coopératives à travers toute la Champagne, l'Union Auboise, qui est une union de coopératives également sur la partie de la Côte des Barres, Jean Goyard Distillerie, qui est une distillerie champenoise basée à Haï et qui a en pour mission de valoriser les coproduits qui sont nos aignes, nos lies, nos bourbes, afin d'avoir une filière intégrée jusque la valorisation des coproduits. Et enfin, la coopération agricole qui permet d'appuyer les deux unions citées précédemment dans la sensibilisation et la communication auprès des présidents des coopératives champenoises. Voilà, on a vraiment une filière qui est construite, qui est assez innovante dans sa construction, dans sa démarche, par cette réunion d'acteurs autour d'un sujet, autour d'un enjeu commun, avec une construction de l'amont jusqu'à l'aval et une volonté forte d'assurer des débouchés et de valoriser jusqu'aux coproduits la production viticole champenoise. La deuxième innovation dans ce projet tient au caractère historique de la Champagne. Donc, vous retrouvez une diapositive avec la carte de la Champagne, les grandes régions viticoles de la Marne, de l'Aisne, Seine-et-Marne, Aube et Haute-Marne, avec quelques chiffres de conversion et de progression. Le vignoble champenois n'est pas le meilleur élève de la viticulture française en termes de conversion. En viticulture française, on est plutôt autour de 12-13% en surface de conversion bio. En Champagne, on est au dernier chiffre autour de 3%. Donc, on a une marge de progression. On voit que sur la Marne, on a une progression assez forte, comme le disait M. Blin précédemment, de l'ordre de 30%. Sur l'Aube, on est autour de 7%. On a une réelle dynamique. Et cette réelle dynamique, l'enjeu de la filière, c'est de l'accompagner dans cet esprit donc amont-aval, hein, vraiment de la partie exploitation viticole jusqu'à l'ensemble des débouchés, et de l'accompagner pour que 100% des raisins produits sous la certification bio soient valorisés. Donc pour ça, ça doit mettre en place toute une organisation logistique et technique en s'appuyant sur des centres de pressurage, des centres de vinification, des centres d'embouteillage
et également des centres de valorisation de coproduits sur un maillage territorial bien concerté et bien réfléchi. Donc le maillage territorial est quelque chose sur lequel nous travaillons de manière très 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 forte, et c'est l'un des enjeux de cette filière, éviter d'avoir des régions avec de fortes dynamiques de certification d'exploitation bio sans pouvoir avoir les capacités de pressurage et de vinification derrière. Donc un maillage à construire dans un système qui existe déjà, mais voilà, trouver les bonnes ressources. Et cette filière s'appuie notamment sur le réseau coopératif, qui a la chance d'avoir un maillage territorial complet sur l'ensemble de l'aire d'appellation Champagne, avec des unités de pressurage, de vinification tout à fait qualitative, pour certaines déjà lancées dans la conversion bio depuis plusieurs années. Et donc le monde coopératif réunit voilà, une grande partie des exploitations champenoises, avec un maillage d'unités assez important pour couvrir l'aire d'appellation, ce qui fait que ça nous permet de lancer une très bonne dynamique dans ce sens-là. Donc je laisse la parole à Peggy, qui prend la suite de la présentation. Si tu veux, je te passe les diapositives. Dans ce cas-là, merci Étienne. Donc, Peggy Sevestre, responsable de la protection de la ressource en eau au sein du Grand Reims. Donc, je vais essayer de compléter assez rapidement les propos de Jérôme Blin et d'Étienne Etnaud avec l'angle de vue collectivité. Donc, depuis le stage de Mathilde Le Traou, le Grand Reims est impliqué, sollicité dans la démarche, et c'est tout naturellement qu'on est devenu partenaire de l'AMI, de la structuration de la filière des champagnes biologiques. Et l'objectif, c'était aussi de prioriser le projet sur les aires d'alimentation de captage, pas seulement celle du Grand Reims, mais toutes les aires d'alimentation de captage incluses dans le projet. Donc, au niveau du Grand Reims, quelques chiffres. Nous sommes 4 chargés de mission qui animons actuellement 14 aires d'alimentation de captage délimitées, dont 7 prioritaires. Et on a 6 études qui viennent d'être fraîchement lancées. Étienne, je veux bien que tu passes à la diapositive suivante. Donc, dans nos 14 aires d'alimentation de captage, pour donner quelques chiffres sur l'objet qui nous concerne, à savoir le domaine viticole, on a plus de 2400 vignerons exploitants et également pratiquement 4900 hectares de vignes. Donc, ça faisait depuis le début de l'animation des plans d'action, depuis 2011, qu'on mène des actions ciblées pour développer la viticulture biologique. Et l'intérêt de ce collectif, c'est non seulement d'avoir quelque chose de ciblé, mais comme disaient Étienne et M. Blin, quelque chose de concerté, de coordonné, et qui nous permet d'être plus efficaces, plus légitimes aussi, nous, cellules protection de la ressource en eau, pour aller voir tous les exploitants et leur présenter la filière viticulture biologique. Donc on essaye, au fur et à mesure des mois et des années, de faire du présentiel. Alors, ce n'est pas évident en 2020, mais de proposer des réunions et de présentation de la filière avec tous les partenaires. Donc, on a une approche réglementaire, une approche aussi amont sur tout ce qui est pratique culturelle. Et on a une approche aval avec les opérateurs économiques Nicolas Feuillatte et la distillerie Goyard. Donc, en une réunion, les participants, donc on invite tous les vignerons des ARC du Grand Reims, ont une somme d'informations importantes qui leur permettent soit d'être rassurés, soit de découvrir en vue d'initier une démarche vers la viticulture biologique. Donc, on a proposé dès la fin 2009 une première réunion de présentation de la filière. C'était un besoin qu'on avait identifié au travers d'une enquête, c'est que souvent les vignerons conventionnels ne savaient pas forcément au démarrage de leur projet de conversion vers qui se tourner.
Donc, ça a été le point de départ de ces réunions. C'est, voilà, vous avez un pôle conversion qui existe, vers lequel vous pouvez vous tourner. Et on a décidé aussi de donner les premiers éléments liés à la réglementation et à la conversion au cours de ces réunions. Donc, on a commencé à Cermis en octobre 2015 et on a pu poursuivre tout au long de l'année 2020, malgré les périodes de confinement, à proposer ce genre de réunion au sein de nos aires d'alimentation de captage. Et on vient de se réunir avec Justine et Céline pour essayer d'établir la programmation 2021 pour continuer à proposer ce genre de réunion. Dans le cadre de ce projet, nous, cellules protection de la ressource en eau du Grand Reims, on profite aussi des vignes bio vertes qui sont pas forcément dans nos aires d'alimentation de captage, mais dans le périmètre du Grand Reims, pour intervenir et pour rappeler les enjeux liés à la qualité de l'eau. Donc, pareil, les vignes bio vertes, on les valorise auprès de tous les exploitants des aires d'alimentation de captage. Je vous avais dit, hein, on a à peu près presque 4900 exploitants dans les aires d'alimentation du Grand Reims, donc c'est impossible que chacun, même si on le souhaiterait, on ne sait pas comment faire, mais que chacun participe à ces réunions. Et dans le cadre de ce projet de structuration de filière, il y a des documents qui ont été réalisés et qui nous permettent, nous, de diffuser l'information par mail ou autre auprès des exploitants qui ne se déplacent pas forcément en réunion. Donc voilà pour la présentation assez succincte et rapide de l'implication du Grand Reims dans ce projet. Je vous remercie à tous les trois. C'était quelque chose de très intéressant. Vous m'entendez encore ? Oui, très bien. Oui. Et restez avec nous, on a peu de questions sur le chat, donc n'hésitez pas, je pense que c'est comme apéritif, ça peut être très intéressant d'envoyer quelques petites questions avant d'aller manger. Si Pascal Gaillot est encore connecté, je l'espère, on l'a fait patienter un certain temps, j'aimerais commencer par lui poser quelques questions et qu'elle puisse nous répondre, si Pascal est encore là. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, bonjour. On vous voit et on vous entend, donc... Vous êtes vice-présidente en charge de l'agriculture à la région Grand Est. J'avais une question, moi, qui était: qu'est-ce que vous voyez au niveau de la région comme outil innovant pour dynamiser ces systèmes dits à bas niveau d'intrants dans les captages? Et comment la région Grand Est s'est-elle associée à cette volonté de vouloir les dynamiser, ces filières, ces systèmes? Très bien, merci. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Un bonjour particulier au président Maurice Lombard. La question relative à cette notion de bas niveau d'intrants et de filière, bon, je veux juste ici partager avec vous tout le succès et finalement, j'allais presque dire le bonheur que nous avons eu à partager entre la région et les trois agences de l'eau du Grand Est, donc Seine-Normandie, Rameuse et Rhône Méditerranée Corse. On a partagé d'abord cette idée que au-delà de la compensation de contraintes finalement qui sont imposées aux agriculteurs liées à des zones de captage, liées à des considérations, de la prise en considération de la qualité des eaux, dans ce système de mesures agro-environnementales et climatiques qui ont tout leur intérêt, et je ne le renie pas, on s'était dit qu'il fallait aller un peu plus loin et se dire qu'au lieu de se contenter finalement de compenser des contraintes dans des territoires, il était plus intéressant d'accompagner la notion de filière et d'aller beaucoup plus loin. Et je crois que là, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter puisqu'on vient d'avoir deux exemples au travers donc, de la filière Bridmo. Et je salue vraiment les acteurs, les actrices et la dynamique de la filière ainsi que celle du champagne. On a vu comment, en lançant cette idée, eh bien, finalement, les filières se sont totalement appropriées l'idée. Ont imaginé, ont réfléchi comment elles pouvaient aller un peu plus loin justement pour résoudre la question de certaines zones de captage, ou en tout cas de certaines zones sensibles, tout en intégrant les éléments jusqu'au marché, jusqu'à la mise en marché.
Donc vraiment, la dynamique, elle s'est créée, on l'a lancée, je ne sais pas, vous l'avez peut-être rappelé avant que je n'arrive, en 2018, on a aujourd'hui trois exercices, trois appels à projets de recul. Une très belle réunion s'est opérée le 6 novembre dernier où on a pu faire le bilan. On a vu énormément de projets autour de la question de l'herbe. Et bravo justement l'Agence de l'eau pour ce que j'ai vu tout à l'heure et du futur appel à projet, même s'il n'est pas validé, même si c'est pour votre commission du mois de mars, mais de vouloir aller un peu plus loin sur cette question d'élevage extensif et d'herbe, parce que c'est vraiment peut-être le plus grand nombre de dossiers que nous avons recueillis sur le sujet. Et au-delà de ça, on sait qu'on a des filières de la bioéconomie. Je voulais vraiment partager avec vous ça. On a la région poussée, la bioéconomie. Aujourd'hui, ce n'est pas assez encore dans les esprits. On est pionnier, et encore un salut à Maurice Lombard, avec Bazancourt, avec la plateforme de Bazancourt en termes de bioéconomie. Pas encore assez dans les esprits. Et quand on a poussé la MIFilière Bazintrant, on avait en tête des cultures végétales, des productions végétales destinées à la bioéconomie. Quelques-unes sont sorties, on a besoin de pousser. Quand vous me posez la question comment vous faites pour accélérer la dynamique, je prendrai deux exemples. C'est le contrat de filière que nous venons d'élaborer au niveau de la région avec tous les acteurs des biocarburants. Un deuxième contrat de filière sur lequel on a travaillé cette semaine, c'est tout le volet biocontrôle, biostimulant, biofertilisant, et donc toutes ces alternatives finalement à la chimie et qui devraient avoir un impact positif sur l'eau. Donc on a, je ne sais pas ce que vous me donnez comme temps, mais on a toute une panoplie d'outils, et mesdames ont parlé de caisse à outils tout à l'heure, je crois qu'il y a une caisse à outils aujourd'hui dans laquelle les agriculteurs, leurs organisations, leurs coopératives, leurs filières peuvent venir puiser. Et je pense pouvoir en plus dire qu'on va, nous, région, dans cet appel à projet, on a accompagné les investissements des entreprises. Vous avez au niveau des agences beaucoup soutenu l'animation et on a entendu parler de création de postes de chargés de mission, etc., etc. Le plan de relance de l'État que vous avez présenté tout à l'heure devrait nous donner une dynamique supplémentaire. Donc, je crois qu'on a dans cette région tout pour faire et tout pour réussir notre stratégie eau que nous avons, nous, à la région, votée le 9 juillet dernier. En séance plénière, alors on dépasse le périmètre de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, hein, mais vous savez qu'en région Grand Est, nous sommes quand même la région château d'eau de l'Europe, avec un partage des eaux vers trois mers, Rhin, Rhône et Seine. Et donc, ce qui nous confère une responsabilité d'autant plus importante, et c'est pourquoi on est très attachés à pouvoir accompagner les agriculteurs, les collectivités qui ont également pris la mesure de la responsabilité collective que nous avons tous pour la qualité de nos eaux, y compris jusqu'à nos trois mers. Merci beaucoup, Madame Gaillot. Je crois que Daniel voulait réagir, prolonger cette discussion. Oui, je voulais souligner en fait ce qui est quand même très original dans la démarche qui a été mise en place, c'est la mobilisation des acteurs économiques de la filière aval et dans les projets qui ont été présentés aujourd'hui, et on en a d'autres en fait. Mais en tout cas, ce qu'on peut souligner ici, c'est la mobilisation de l'aval pour faire évoluer ou accompagner les changements de l'amont. Alors on le voit tout particulièrement, et je souhaitais aussi féliciter les organisations professionnelles qui se sont saisies du sujet, et dans les cas présentés, le Centre Nicolas Feuillatte et l'Union Auboise, hein, des unions de coopératives qui se sont saisies du sujet, avec tous les acteurs économiques, en allant depuis l'accompagnement de la conversion à l'agriculture biologique, mais la collecte, le pressurage, la mise sur le marché. Ce qui n'a pas été évoqué, c'est
l'alimentation, en tout cas l'approvisionnement et le développement d'une marque, en tout cas d'une marque commercialisée par le centre vinicole, où on a réussi à faire converger les intérêts des uns et des autres en allant jusqu'à la commercialisation et la valorisation des coproduits et des sous-produits qui ont une valeur toute particulière et qui sont recherchés. Je souhaitais notamment y associer Maurice Lombard pour cette partie valorisation en tout cas des sous-produits, des coproduits, qui est en fait un sujet. On est allé jusqu'au bout du bout en tout cas dans cette démarche. Alors on ne peut que espérer qu'elle aboutisse et qu'elle fasse émerger de nouvelles conversions agriculture bio sur les secteurs les plus sensibles, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Mais je pense que dans ce projet, on a réussi à mobiliser tous les acteurs qui pouvaient l'être. Et je pense que c'est vraiment une innovation par rapport aux démarches que l'on peut constater par ailleurs, où on se concentre trop souvent sur uniquement l'agriculteur ou le vigneron, où là, en fait, on est dans un écosystème, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qui a permis en fait, de faire évoluer globalement tous les acteurs autour d'un projet fédérateur. Et donc, je pense que c'était vraiment à souligner dans les démarches qui ont été présentées aujourd'hui, où on voit l'importance des filières aval pour faire évoluer les pratiques et pour mieux coller aussi aux attentes du consommateur, puisqu'elles y sont très attentives. Voilà, donc c'est ce que je voulais souligner ici au travers des projets qui ont été présentés ce matin. Monsieur Lombard, vous vouliez peut-être dire quelque chose en tant que, avec votre double casquette industrielle et collectivité. Je pense que vous pouvez faire ce lien qui nous manque aussi des fois. On n'entend pas. Vous n'entendez pas ? Pas bien. Pas bien. C'était le principe. Oui, non, mais... Ça va mieux ? Ouais. Oui, donc, voilà, donc, mais je pense que, et c'était l'exemple aussi, on voit bien, il y a, M. Bédélème a parlé de la filière au niveau valorisation de la production, en partant de l'agriculteur jusqu'à la mise en marché, valorisation des coproduits, mais aussi au niveau du Grand Reims avec l'intervention des collectivités. Je pense que tout ça, ça montre aussi une interdépendance des acteurs économiques et des collectivités qui représentent, l'ensemble des citoyens. Et ça permet aussi, parce qu'on peut regretter qu'il y ait un peu deux mondes qui se côtoient, le monde urbain et le monde rural au sens large, je dirais. Et donc, ça permet aussi, à travers l'interdépendance qu'on voit au niveau de l'eau, entre l'amont et l'aval, ou bien aussi toutes les difficultés qu'on a à gérer la relation entre l'amont et l'aval, particulièrement donc, en Seine-Normandie avec la grande métropole parisienne. Donc tout ça montre bien qu'il y a besoin de travailler ensemble et pour d'abord se comprendre et puis pour être beaucoup plus efficace. Voilà ce que je pourrais rajouter par rapport à les propos qu'on a échangés depuis ce matin. Alors, on va pas trop tarder, parce qu'on a pris un peu de retard. Moi, j'avais une question, peut-être une question à Madame Gaillot également. Vous avez entendu parler de ces paiements pour services environnementaux. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça pourrait venir compléter nos interventions, notamment sur les soutiens à l'investissement, à l'animation, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme construction qui pourrait finalement finaliser certains projets à qui il manque quelque chose, une brique? Eh bien, je crois que l'outil est intéressant, effectivement, et sur la table. Et donc, j'ai pu voir que vous étiez aussi prêt à le pousser. On l'expérimente. Alors, vous avez présenté une expérimentation dans la Manche. On l'expérimente aussi en Alsace dans le cadre de la mesure des résidus de désherbants dans la nappe d'Alsace. Et on a monté là aussi avec l'ensemble des filières, notamment avec les coopératives agricoles et leurs adhérents, un système de PSE qui permet d'encourager les agriculteurs à diminuer fortement l'utilisation de désherbants chimiques au profit de désherbages mécaniques. Et c'est vrai que le PSE sera certainement le cliquet nécessaire, celui qui manque aujourd'hui dans l'ensemble des dispositifs. Le plan de relance
va permettre, et on le faisait déjà hein, dans le cadre des PCAE, ensemble, agences de l'eau, État et région, on faisait l'accompagnement de l'acquisition de matériel mécanique, RC, tri, enfin, etc., tous les matériels, par exemple, pardon, de désherbage mécanique. Mais le PSE a vocation à finalement l'emporter, je pense, et être ce déclic final. Et c'est pourquoi on y travaille, et vous savez, vous travaillez avec les services à la fois chez nous de la direction environnement et à la fois de la direction donc, agriculture mobilisés sur le sujet. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez compléter quelque chose, Monsieur Lombard ? Un dernier mot ? Si vous voulez. Oui, je ne vais pas revenir sur les PSE, aussi on attend beaucoup sur les PSE. Non, je voudrais juste refaire un petit commentaire sur l'intervention qui a été faite par les deux personnes de l'agence, et insister sur le 4 pour 1000, donc je pense qu'on se comprend, c'est sur donc, l'augmentation de la matière organique des sols, c'est très technique, mais je pense que c'est un dossier qui est très important dans le cadre du changement climatique, et je pense qu'on a beaucoup à œuvrer là-dessus, enfin, c'est un avis personnel en tant qu'ingénieur agronome. Et donc, en tout cas, félicitations pour ce chapitre. Là, qui doit être, je pense, bien pris en œuvre, mise en œuvre et prise en compte. Ah oui, c'est vrai qu'on est passé un peu vite sur ces questions d'innovation agricole. Et effectivement, c'est un peu tôt, mais on voit qu'on a quand même, on est allé assez loin hein, par rapport aux évolutions de notre programme, notamment sur ces questions de carbone organique et de captation. Voilà. Je vais terminer, je vais clôturer un peu plus tôt cette table ronde pour passer la parole en fin de ce forum à Madame Patricia Blanc qui est disponible, je l'espère. Alors, je ne vous vois pas. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez comme ça ? Oui, oui, on vous entend. Merci. Merci à vous. Bon, bonjour à tous. Moi, je voudrais d'abord vous demander de bien vouloir m'excuser de ne pas avoir pu participer sur l'ensemble de ce forum des Vallées de Marne. Remercier tous nos intervenants. Tous ceux qui ont témoigné de leur expérience et remercier tout particulièrement Madame Gaillot, vice-présidente de la région Grand Est, le préfet de la Marne qui nous a fait l'honneur de venir témoigner tout à l'heure, mais aussi Monsieur Lombard, président de la commission territoriale des Vallées de Marne qui représentait le comité de bassin Seine-Normandie dans cet exercice dématérialisé puisque les circonstances imposent ce format. Merci à l'équipe organisatrice, donc autour de Nicolas Domange, Daniel Bédélem, Anne-Louise Guillemin, Marise Galvin, enfin je ne peux pas citer absolument tout le monde, mais merci à tous d'avoir réussi à organiser ce forum en visio. Je voulais simplement vous dire que nous avons de nombreux rendez-vous sur l'année 2021. Donc, vous avez beaucoup parlé du plan de relance, des PSE, de l'appel à projet innovation, dont on attend beaucoup, que ce soit sur l'eau potable et l'assainissement, mais aussi sur les filières agricoles, on en a parlé, l'élevage extensif, les milieux résilients. Donc, on va avoir des nouveaux outils à expérimenter, de nouvelles démarches à développer dans les territoires en 2021 pour accompagner la relance, mais aussi un rendez-vous très important de planification stratégique avec la consultation du public sur le nouveau schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE, dans le bassin Seine-Normandie comme dans le bassin riverain Rhin-Meuse. Nous allons donc consulter le public sur notre projet de SDAGE qui doit nous engager pour la période 2022-2027. Le comité de bassin a adopté en octobre dernier un premier projet et ce projet qui est soumis maintenant à la ville autorité environnementale puis des assemblées puis du public doit faire l'objet d'un vote définitif fin 2021 en prenant l'avis de l'ensemble des parties prenantes. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle réunion du Forum des Vallées de Marne consacrée à ce projet de SDAGE au premier trimestre 2021 pour permettre à chacun de se positionner, de donner son avis sur la politique de l'eau. Voilà, le plan de relance qui est vraiment un accélérateur de court terme sur nos projets prioritaires, hein, vous l'avez compris, conseil d'administration de l'agence de l'eau, comité de bassin veulent mettre le paquet pour faire démarrer concrètement des projets dès l'année prochaine sur les aspects prioritaires de la politique de l'eau.
ne doit pas masquer notre trajectoire de moyen long terme et des efforts qui doivent être maintenus dans la durée pour permettre à tous de disposer d'eau en qualité, en quantité suffisante dans l'avenir. Et c'est tout l'objet de ce SDAGE que nous discuterons l'année prochaine. Voilà, merci à tous, en tout cas, de votre participation, que ce soit comme intervenant, que ce soit à travers le chat, et passez de bonnes fêtes de fin d'année malgré les circonstances. Rendez-vous au premier trimestre 2021 sur le SDAGE. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Blanc. Moi, je ne vais pas en rajouter beaucoup. On a eu, finalement, on a calculé que les pertes en termes d'audimat, elles n'étaient que d'une dizaine de pourcents, là. Donc, on est encore une soixantaine à suivre cet événement. Donc, je vous en remercie de tenir jusque-là. Je voulais remercier, donc, encore une fois, les intervenants. L'équipe de Puissance Télévision, qu'on n'a pas citée, qui sont derrière nous ou devant nous, hein, pour nous, qui nous ont accompagnés et avec l'équipe de M. Gallo-Faro, qui nous a accompagnés sur cet événement. Ce sont eux les professionnels hein, des médias. Anne-Louise Guimain qui est en back-office là, qui nous a accompagnés sur le chat. Vous pourrez poser des questions de toute façon encore directement aux équipes de l'agence. Ce forum sera disponible sur toutes les bonnes plateformes de replay et de streaming bientôt. On vous enverra le lien rapidement. En tout cas, je vous remercie. S'il n'y a rien à dire, on vous dit à une prochaine fois et bonne fête de fin d'année. Au revoir. Tous.